Hey, bien le bonsoir, comment allez-vous? Comment vas-tu, Chris? T'as un bon niveau pour moi, merde! Pas ça! Tout, mais pas ça! Je blagouille, avec plaisir. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Un bon week-end, sa mère? Parce que moi, ça va plutôt. Alors, est-ce que tout est ready? Faut que je fasse un petit point d'exclamation open. Hier, il a fait mettre un mec en PLS, d'accord. Ah, merde! Ah, merde! Peut-être que j'ai pas envie d'être en PLS. Mais je m'en fous, vas-y. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Todd va le faire. Todd est courageux. Todd a les balls. Bien accroché. Alors, niveau de crise, pour commencer, ça va faire du mal. Hein. On va se faire un peu de mal. Hein. Pourtant, c'est. Ouais, c'est facile. C'est vrai, c'est tellement simple. Le bot, est-ce qu'il. Ouais, c'est bon. Ok, JRJ. 6 et 6. KTF. T'aurais les 5 étoiles. Peut-être. Mais un truc qui me gonfle avec cette cam, c'est que toujours, à chaque fois que je lance Obs, elle a une couleur fade. Parce que la balance des blancs est pas faite. Ça casse un peu les couilles. Que ça sauvegarde pas. Clic droit. Déplacer. Bim, viens là. Ouhou, super. Et bam, je deviens plus chaud comme ça. Vous préférez, hein? C'est mieux comme ça. C'est mieux quand je suis chaud. Ok. Discord. Incroyable. Alors, parcours de facilité 2. Un simple parcours de 40 secondes. Difficulté 1 sur 5. Easy, mec, mais ton taux. Mais t'as rien compris! Tu n'as pas compris la difficulté, Chris! C'est plus dur, visiblement, par rapport au taux de réussite que certains de tes niveaux. Ta description ne veut rien dire. T'as oublié connard à la fin, oui. T'as oublié parcours de facilité 2, connard. C'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux et plus précis, tu vois. Merde, il y a un timer. Attends, c'est 40 secondes de souffrance là. Ok. Ça, j'ai pas joué à Mario du week-end, il faut que je. Voilà, c'est le temps de chauffe. Ok. Ah, je pense que Nintendo, ouais, ils sont pas contents si tu mets connard. Quoi qu'il y ait des gros mots quand même dans les noms des fois. J'en ai déjà vu, hein. Oh, faut cancel. Ah, oh, c'est l'enfer, ça. C'est l'enfer! Ça, c'est chiant pour démarrer. Ça casse le rythme. Comment je peux démarrer fast? Un petit saut sur le premier? Ouais, on va faire ça, tiens. ZR, ah, ZR, oui. ZR, ça devrait passer, ouais. Faut que j'adhère sur le premier, en tout cas. Je pense. Bah, quoi? Quelle arnaque. Comment je peux mourir s'il est déjà passé et que je fasse par-dessus et que je touche pas? D'accord. C'est direct, sauf qu'il faut que je rentre sur le deuxième, ok. Ouais, c'est un peu moins direct par contre. Un peu moins direct, tolu! On va y arriver. Enfin, ça c'est chiant. Va falloir que je chope le rythme. Oh fuck. Est-ce que je veux pas un level de Rakai après? Ah, Rakai c'est un peu pareil. Mais Rakai, tu vois, lui. C'est des Kaizos purs et durs, tu vois. Ça, c'est assumé. Ah, j'arrive pas à passer. Ouais, je sais que c'est pire, ouais. Je les connais ces levels. J'arrive à peine à passer deux sauts à chaque fois. Mais j'arrive pas, bon dieu. J'ai pas envie de cancel, c'est trop perdre de temps que je cancel. Je pense que je vais m'essayer de glisser ou faire un petit saut pour être à bonne hauteur. D'accord, c'est dessous. Non, mais c'est un taré. Rakai, c'est un taré. C'est un malade.
Ah, faut que je sois plus rapide. Ok. Okidoki. Oh non, non. Donc là, faut que je passe directement sous la scie. Comme ça, voilà. Ok, c'est ça. Hello tout le monde, vous allez bien? Ça va très bien, bonjour une fois. Comment vas-tu, toi? Il doit stream pour lui mettre des purges. Ouais. Ça, c'est clair, hein. Ah fuck. Ah j'ai compris. Faut que je rodéo aussi. Ah c'est chiant là. Ici c'est tout con, je pense qu'il faut que je rodéo à droite, hein, à mon avis. Comme un lundi, impeccable, bonjour une fois. Merde, je suis vite spin. J'ai oublié le spin! Spin ou dash! Oh, je pensais que ça passerait. J'ai pensé qu'il se passerait. Ouah, ouais, je m'attendais pas au triple saut. J'étais pas prêt pour le triple saut, honnêtement. Pour l'instant, c'est pas dur, c'est facile, mais tu te fous de moi parce que après, je sens un truc rageant. Parce que tes niveaux, ils sont faits de trucs rageants en fait. Pour l'instant, non, ça va, c'est facile. Mais il y a 40 secondes, tu vois. Et je pense que c'est un speedrun au niveau du timer aussi, tu vois. Putain, ça casse les couilles, ça. Ça fait chier, par contre. Ça fait un peu chier, hein. Merde, pas le con. C'est le PC qui a fait. Il faut que j'en saute direct. Ah ouais, ça j'ai bien vu. Après ça va, c'est pas très dur. Hein. Mais enfin ça, voilà, ça. Les wall jumps des fois, ah là. Si t'es trop fast, ça passe pas. C'est chiant. C'est ça, c'est bien ça. C'est ça jusqu'au bout, très bien. Au moins on est sûr maintenant. Pas de soucis. Wall jump Toad, bah ouais! Faut wall jump Toad un peu, fais un effort bordel. Merde. C'est quand même jouissif de faire tous ces sauts là qu'on fast. Non, faut laisser un peu appuyer. Un poquito appuyer sur le bouton, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Je me suis cogné. J'espère juste qu'il est pas très serré niveau timing. Ça risque d'être horrible sinon. Par contre, faut éviter de cancel comme ça. Ok. Ok, ça passe encore, c'est pas dur. Restez 2 secondes à toi. Ouais, mais les 2 secondes, c'est pas beaucoup. Genre là, les 2 secondes, j'en ai perdu une déjà. Fuck. Ça va qu'on a qu'un niveau pour l'instant dans la liste. Ah, saute. Quelle erreur, Toad! Quelle erreur grossière d'oublier de sauter. Macaque. Mais ah, les wall jump! Les wall jump, Toad!
Ouais, mais non. C'était pas si mal en plus ce que je viens de faire. Hein. Parce que là, je gagnais du temps là. Si je passais comme ça, en fait, j'avais pas besoin de rodéo. Je tombais direct. Ça. C'était plutôt cool. Oula. Ouais, trop. Trop. Putain, pas de niveau, quelle tristesse. C'est pas comme la semaine dernière où j'enchaînais les niveaux, bordel. Je dépasse pourtant. Ça dépend du timing des flammes, ouais. Ça dépend de ton wall jump avant, je crois. Oh là, c'est chaud là. En fait, mais non, mais en fait, attends. Mais si c'est simple en fait, j'ai compris. Faut que je patiente en haut. Comme ça, si je patiente, je vais pas attendre des hauts. Je tombe. Voilà. Par contre, là, c'est chiant. Je m'attends pas à ça, ça je sais pas, je peux pas m'y attendre. Je peux pas m'y attendre, ils sont tous en cours. Ouais, mais la semaine dernière aussi ils étaient en cours. Tu te fous de ma gueule? Il se fout de moi le jeu! Toad! Un effort, bordel! Ça c'est stylé ce passage, vraiment jouissif à faire à la main. C'est très jouissif à faire les petits sauts rapides là. Vraiment, ça c'est un bon passage de ouf. Ça c'est impossible hein. Très honnêtement, c'est vraiment impossible hein, en termes de hitbox. Je peux pas l'avoir passé sans l'avoir touché. Enfin, je peux pas être passé sans l'avoir touché. Et lui il peut pas me toucher. Enfin, c'est pas normal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas normal, mince! Non, c'est vraiment fort à faire à la main. Bon, ça c'est un peu moins fort parce que je pue la merde, mais. Voilà quoi. Voilà quoi. J'ai ralenti. J'ai ralenti. Ça c'est vu. Ça c'est vu. Ah, j'ai trop sauté. Ouais. Triple saut, ça tue. Faut pas que je triple saut ici parce que si tu triple saut, tu perds du temps. Du coup, parce que tu dois forcément réattendre. Ou alors tu dois cancel après. Et cancel, bon, c'est un peu une perte de temps aussi. Voilà, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. On patiente, on y va. Ah non, pas la glissade. Ah! Yes. Un plaisir. Un vrai petit plaisir. Je suis en retard là. Là, faut que je trouve le moment sur lequel sauter. T'as vu, j'ai de la patience aujourd'hui. Hein. Après, il est pas trop énervant celui-là. Enfin, il est pas frustrant quoi. Pour l'instant en tout cas. Je m'attends au pire après. Peut-être qu'en rodéo c'est plus rapide, je sais pas. Merde, faut que je prenne le temps. Faut que je prenne le temps. Bah s'il y a que ça, pour l'instant c'est basique. Après j'ai très peur que le timer soit extrêmement serré. Merde. Eh, j'ai pas de niveau. C'est nul. Là j'ai pas la pression là, tu vois. Du coup je joue mal. Il me faut de la pression.
Oh, quel con, mon rêve ici. Mais là, je vais passer direct en vrai. T'as même fait une énigme. Merde. Oh. Avec une dédicace pour moi dedans. Ah, impeccable. Merde, je suis pas dans la merde. Est-ce qu'il y a une top? Fuck. Il devrait y avoir une top. Les fameuses top de ces morts. Les fameuses. 3. Parfait. Let's go. Mais non! Mais le wall jump, toi JT, il est là, il est très facile ton niveau. Enfin, il y a rien. Il est très très large. Là, j'avais largement le temps. J'avais tracé en plus. Je crois qu'il m'en restait plus de 2 secondes si j'avais. Ouais, c'est dommage. Il y a rien. Ça va. C'est vrai qu'il est pas si dur. Il est long. Je pense qu'il est long. C'est pour ça que les gens mettent du temps à le finir. Fuck. Après, le cancel est pas si simple ici. Hein. Enfin, faut le faire au bon timing. Hein. Là, j'ai un peu le quai. Oh fuck, dépêche-toi. Ah ouais, mais Todd, faut que tu fasses un effort là. Oh! Ah non, c'est le timer, c'est bon. Je sais, c'est large, je sais que j'ai galéré le premier saut. Là, j'étais bon. Là, c'était fini, là. Si j'avais pas fail sur le... Bah, dès le début, déjà, aussi. Merde. Oh, après, il... Enfin... Ça dépend le niveau du monsieur, tu vois. Je sais pas qui c'était, mais... C'est pas des sauts hyper simples, non plus, tu vois. Mais bon, t'as fait du plus dur quoi. Beaucoup plus dur. Oh, ta mère! Mais ouais! Les wall jump! Soit tu fais trop vite, soit tu fais pas assez vite, et donc ça, enfin, le but c'est de gagner du temps, tu vois. Donc en faisant vite, tu te fais niquer, parce qu'il ride pas. Ok, on speed. Oh, j'ai perdu un peu de temps là, c'est pas grave. On est large. Eh ben. Oh là, je suis en retard. Ah, je vais aller trop vite maintenant, ça y est. J'ai envie de finir de ton niveau. Ça y est. Dis donc. Ah, et ça passe d'habitude. Bah dis donc, Todd. Tu te moques de moi? La prédiction égale mourir en boucle, non. Non, non. Pas ce genre de prédiction. Pas ça. Oh, je vais trop vite encore. Et le triple saut qui... Là j'ai essayé d'air control, mais impossible. Parce qu'il était en animation de... Wouhou, je suis super content! La précipitation, pas la prédiction, merde. Ouais. Ouais, ouais. La précipitation, ça tue tout le temps. Bah, moi, ça me tue souvent, en plus, hein. Ouf, c'est énervé ça. On est rapide.
Merde, je l'avais pas vu, je prends un peu de temps, c'est pas grave. C'est là. Là en fait ça fait chier. Faut que je là je perds un peu de temps là volontairement parce que ça me fait chier à chaque fois de moi. Comme je vais aller trop vite, tu vois, je prends le dernier pic. Hein. Le premier pic, pardon. Je suis rapide là. Ça fout un peu les boules, très honnêtement. Pourquoi j'y vais pas large? De toute façon, la hache elle est large, je suis con ou quoi? Merde. J'aurai pas le world record, je pense, parce que à mon avis, je vais ramer un petit peu. Vu que je prends un peu de temps. Pour être sûr, j'ai même pas fait le cancel rodeo. Enfin, le rodeo cancel. Todd il est con un peu, ouais. Mais c'est pas sa faute, hein. Il essaie de se soigner, il n'y arrive pas. Un peu perdre de temps, c'est pas grave. Ok. Pas mal ça. C'était trop bizarre mes sauts là. En fait, je faisais que. J'avais un rythme trop chelou. Ça passait pas du coup. C'est hyper chiant. Je vais y arriver hein, parce que là, à la fin, enfin, c'est fini quoi, merde! Là, il est au bout de mes doigts le niveau. Ah! Putain, on est toujours bloqué à 6. C'est embêtant. Et j'ai toujours pas d'autres niveaux. Ça aussi, c'est embêtant. Perte de temps. Ça me prend la tête en fait, ça. Ça me prend vraiment la tête. Ça fait comme ça, vu que j'appuie de l'autre côté, il lâche le mur. Alors qu'il. Parce que je suis pas assez rapide sur les inputs, je crois. Du coup, il voit le replay, il sort du mur. Parce que j'appuie le côté opposé. Merde, c'est qu'il manque un. Il manque un spin. One spin! Bon, on le finit le niveau ou pas? Il y en a marre là. C'était un petit peu trop tôt ça, je pense. Je crois que c'était un petit peu tôt. Il me semblait que c'était tôt quand même. Malheureusement, c'est la mort. Bon, il n'y a rien dans le niveau, c'est temps que je le termine. Merde, je trouve. Il faut que je fasse un petit saut sur le wall jump là. Pas que je mette un full jump. Voilà, c'était parfait ça. C'était un peu serré du cul, mais c'était parfait. Oh. Mais il casse couille Todd là. Là c'est Todd, vous avez bien vu hein. Il veut pas wall jump sur le mur. Enfin il veut pas wall ride. Il s'en décolle à chaque fois, pourtant j'avais les bons inputs, c'est sûr. Il me faisait pas la première fois que je suis passé, c'est quoi cette connerie? Mais ouais c'est Todd là, c'est pas moi. C'est pas moi, moi j'y suis pour rien. Regarde, on le voit le niveau que j'ai là. Y'a pas de soucis, hein. Oula, c'était chaud. Je crois que plus avec ça, tu meurs.
Ok, et en fait c'est le dynamo jump, hein. Je galère du cul. Bon, c'était pas si dur, hein. C'était plutôt cool à faire, c'est un bon niveau celui-là, tu vois. Il est pas énervant, il est pas frustrant. Tu n'as pas de frustration qui rentre en jeu là-dedans. J'ai le record du monde, putain, il y a un mec qui... Bon, ok. Il y a moyen de tracer, hein. Il y a vraiment moyen de tracer. Ça va, il est cool. Il est cool, il est cool. Passons au niveau suivant. Il y en a pas, mince. Quelle tristesse aujourd'hui. World record, ouais, qui l'eût cru? Franchement, qui l'eût cru, quoi. Certainement pas moi. Certainement pas moi. Un autre niveau de crise? Attends, faut que j'aille de celui-ci d'abord. I won. Vas-y. Tu peux le remettre. Bon, remets le jute pour la forme. Je le prends déjà. SRG. X et J2 pour les gens. J2 NPF. Putain, ce chat est lisible maintenant, c'est fou. C'est fou! Énigme pour débutant, 100 secondes. Une énigme de difficulté 1 sur 5. Fais fonctionner ton cerveau. Ok. Pourquoi pas? Chris qui s'adonne au niveau énigme, c'est incroyable. Qui l'eût cru? A-t-il arrivé en ayant ramassé tous les champignons? One up, il y en a free. Ok. Ok, je me sens mal, d'accord. Dans le noir, c'est chiant, on voit rien. D'accord, y'a rien à faire. On n'a pas le choix, je crois. Des tops! Des fucking tops, Chris! Nice, c'est bon ça. C'est un niveau pour moi, parfait. J'adore les tops. C'est faux. Ok, on a ça déjà. Ben là, on est baisé, je crois. Ouais, on est baisé. On est baisé. Rien que pour moi. Impeccable. Ah là, c'est ouais, c'est la baise. C'est la baise. Donc, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Parce qu'ici, il n'y a plus rien à faire. Hein. Je te le cache pas. On va tuer les tops avant. C'est la plus dangereuse. C'est pas normal, ça. Je suis pas censé rebondir dessus. C'est pas normal ce qui vient de se passer. Merde, là je suis con. Pour l'instant, j'observe. J'analyse toutes les choses du niveau. Je suis en phase d'analyse. La cam gêne peut-être un petit peu, mais bon. Mais c'est pas normal. Genre, je peux pas passer à travers. Il a des frames d'invul. Des frames d'invul. Quand il s'enlève les ailes. C'est embêtant. Ou c'est ton béton. Ouais, il faut pas que je bouge en fait. Ok. Là y'a rien, d'accord. Donc là je peux rien faire à part prendre ce pot de merde. Alors, quoi, je crois que j'ai tout là. Maintenant, je crois qu'il me faut la shell avant de décider de partir là-bas pour pouvoir m'enfuir. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Aha! Faut que t'ailles à droite par contre un jour, voilà. Yes! I knew it! Et là, ce qui se passe, c'est que là, je peux activer le on-off et repartir. Paf! Là, on est bien. Là, on se sent bien. Et nique ta mère! Voilà! Là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va chercher... Le casque. Ok, on a fait plus dur. Ok, on prend le chapiteau. Voilà. Alors là, tu vois, là il n'y a pas une scie pour rien. Moi, à mon avis, ce qu'il y a, c'est que je dois damage,
Ramasser le truc planqué derrière la scie. À mon avis. À mon humble avis. Juste là au cas où. T'es sûr, y a rien planqué derrière. Ok. Je te fais confiance. Je devrais peut-être pas, mais je te fais confiance. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Lui, je vais le faire monter. Hein. Ah, bah, ça le tue. Bah, du coup, je peux monter. Est-ce qu'il sait le bon plan de monter? Je sais pas. Parce que je vois pas très bien ce qu'il y a en vrai. Il y a un timer, j'ai oublié. Ah, fuck! Fuck, fuck, fuck. Allez, pousse-toi. Tiens, remonte, mon gars. Putain, comment lui, j'ai pas fait exprès de deviner. Là, je casse le bloc et je monte après, en vrai. Et je prends les vies. Et je crois que c'est ça. Hein. Va du bon côté, s'il te plaît, respecte-moi. C'est dommage. Normalement, t'y vas, là, si c'est comme tout à l'heure. Voilà, parfait, ça. C'est ça qu'on veut. Le noir, c'est chiant, on voit rien, du coup. Bon, c'est fait exprès, mais... Je vois l'arrivée. Ok, je vois comment ça se passe. Après, on repasse au bleu. Ouais, je vois comment ça se passe. Je vois le truc. Je crois que je vois le truc. Là, faut pas que je me rate. Hein. Ok. Ok, je me suis pas raté. Vite, cassos. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je monte, je crois. Je crois qu'il faut que je monte. Là, on voit que c'est impossible par là. Donc ce qu'on fait, c'est que lui, on le bute. On prend l'élan et on passe ici. On prend les fucking life. Et là, on est baisé. Non, on n'est pas baisé, parce qu'on peut retomber ici. Ok. Donc là, ce qu'on fait... Ce qu'on fait, c'est que c'est compliqué, là. Bah non. Bah c'est fini. Mais c'est fini? Ah non, pas du tout! Oh merde! Oh merde! Parce que la fin elle est là, mais le problème c'est que... Attends. Ok. C'est très malin. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que le ressort tombe au bout d'un moment. Bien joué. Bien joué, belle énigme. J'ai pas fait exprès. Genre, je suis en l'étage, je suis revenu, ça a marché. C'est un match, hein. C'est plutôt cool, hein. Premier niveau, sympathique, énigme. Pas très dur. Plaisant à faire. Ça va. Pas de souffrance. Pas de souffrance aiguë, tu vois. Ça, ça fait plaisir. Quand on ne souffre pas de manière aiguë. Eh bien, passons au niveau suivant que l'on n'a pas. LOL MDR. Où sont les gens? C'est fou, ça. Les gens? Oui, bonjour les gens. Vous êtes convoqués à l'accueil. Bah vas-y Chris, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir mon gars. Attends, je... Ah non mais c'est vrai qu'il est pas passé l'autre. Vas-y, envoie. Alors, tac. Putain, c'est le Chris Day aujourd'hui. C'est fou ça. Pas grand monde, ouais. C'est un peu la tristesse. Hein. Mais pas grand monde chez personne, j'ai l'impression. C'est genre pas grand monde chez Mario Maker aujourd'hui. PS5 ou P55, ok. J'ai l'oreille qui gratte, alors je la gratouille. JRG. Je rigole. Oh putain, de bons souvenirs ce level. Arrête ça, et depuis la dernière fois que je suis venu, il a... J'étais pas si proche, c'est faux, c'est un mensonge. Il a pris sa race depuis la dernière fois que je suis venu au niveau. Genre, il a été trahi beaucoup de fois. En fait, j'aurais bien fait, vu qu'il n'y a pas grand monde, le niveau, tu sais, des Kamek, là. Le fameux. Le fameux même de l'internet de Mario Maker, là. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Je sais plus. Ah non, c'est casse-couille ça, j'avais oublié.
Bah, je dois l'avoir dans la liste, moi. Je l'avais oublié ce début. Non, c'est chiant. Chris, je peux pas, c'est chiant. Ça me frustre trop, ça. Je suis désolé. Mais c'est trop frustrant. C'est trop frustrant. Tu m'en voudras pas, j'espère, mais c'est trop frustrant, ce début. Je vais aller tâter le Kamek, un peu. Profil, putain, j'ai mes yeux, ça y est, ça déconne. C'est aujourd'hui, ça déconne. Stage joué, bon, on va le trouver, il est dans... Vas-y, avance un peu, arrête de charger. Merci beaucoup. Où est le Kamek? Il devrait pas tarder. Mad Magic, il est là. Allez. On va se chauffer les doigts un peu. Ah, les yeux qui déconnent! Désolé pour cette vision d'horreur. Si, je vais réussir. Faut que je réussisse. Hein. Il faut. Il le faut. Pour la science. Colin de champignon. Ce bordel qu'on entend. Tétéléta. Oh, le sniper. Oh, c'était chaud là. Là, c'était chaud là. Ah, ouais, je sais que Crudy a réussi, ouais. J'étais là quand il a dit et. Et à 6h quoi. J'espère que je ferai beaucoup moins. En vrai, j'ai déjà presque 1 heure de travail dessus, il me semble. Mais j'ai envie de le réussir parce que, en vrai, je trouve que c'est un niveau qui demande du skill quand même. Mis à part que c'est un peu la Yokafa, mais à la fin. Mais tout le reste du niveau, tu vois, c'est de la réaction et des jumps et du pif, tu vois, à deviner. Enfin, pas à deviner, mais. Merde, la réaction à faire. Et c'est plutôt vraiment cool à faire. Parce que c'est un skill différent des speedruns ou des niveaux habituels. Là, c'est vraiment de la. Des jumps précis, tu vois. De la précision, de la rapidité. De la rapidité d'exec. Merde, je suis con. Moi, j'aime bien ce niveau. Et en vrai, il me frustre pas, lui, tu vois. Pas trop frustrant. Bon, des fois, si, un petit peu. Quand tu es obligé de mourir, c'est un peu chiant. Parce que des fois, t'as pas de solution. Là, je fais n'importe quoi. Ah, super. Ça, je me suis sorti de l'enfer, hein. Incroyable. Je me suis mis dans la merde. À toute Chris, bon appétit à toi, bon appétit. Voilà. Pas d'apéro aujourd'hui. Je le veux ce champi. Oh fuck. Je me suis fait taxer le champi. Fuck. Badabadapa. Après, c'est vraiment cool parce que ce niveau, c'est dans le meilleur des Mario, quoi. Donc c'est cool ça. T'as Grinou même pas là quoi. Ça lui ferait plaisir qu'on fasse ce niveau à Grinou. Oh un petit champi, ça je prends. Ok c'est l'enfer.
J'étais si près du but! Non! La rage! J'aurais pu survivre en plus si j'avais sauté sur le bloc là. Oh, ah, je suis deg! Ah, j'y étais! Oh la haine! Ok, ok. On se rapproche du but là. C'était un try si beau. Ah, oh, c'était géant comme try. Ah, oh, je suis déçu. Le moment où je vais réussir, je vais le clipper, hein, je vous le dis. Ça, ça se clip. Hein. Ça, ça se clip. Oh, la mort. Oh, la mort. La mort, là. La mort, la mort. Putain, j'étais si près, je suis deg. Après, j'avais un champi, j'ai un peu triché, quoi. Pas ça. Ok. Concentration. Concentration au maximum. Merde. On rattrape là la merdouille. Ok. On y est, ok. Safe. Pff, ce bordel. C'est loin là. Et bordel, y'a plus rien. Mais il n'y a plus rien, là c'est dégueulasse par contre. Là c'était l'enfer. Ah les Kamek ils sont énervés. Ils sont dit ah, tu finiras pas le niveau toi, t'étais au bout, t'étais à un bloc. C'est mort. Terminé mon gars. Je suis quand même très deg, hein. Un petit champi vite. Pardon, pas de temps. Ok. Ok, on est bon. Ok, on passe par dessus. On descend parce qu'on est baisé, sinon on remonte. Et bien sûr, lui, il casse pas le bloc devant. Quel con. Deux champi. Mais là, c'est incroyable comment il passe à côté du bloc sans le toucher. J'aurais dû jeter la chaîne aussi, j'en avais une, je suis con. Ok. Bon. J'ai envie d'arriver. Vite. Je peux le faire, je peux le faire. Todd, you can do it. So just do it, Todd. Ok, pas comme ça. Vraiment pas comme ça. Ok. On se sort de la merde. Putain, l'accélération, ça stresse un peu quand même aussi à chaque fois. Merde, ma chaîne. Ok. Eh ouais, j'ai raté mon saut. Après, c'était compliqué parce que je me suis fait bloquer au-dessus. C'était chaud quand même, ce petit saut-là. C'était un petit peu chaud. J'adore ce niveau, c'est ouf. Hein. Je pourrais passer des heures, je pense. Hein. Tu t'entraînes tellement à sauter et à réagir rapidement. Merde.
Grosse erreur. Ça rattrape. Mais je fais le con, j'aurais dû monter là, j'ai raté mon saut. J'ai raté mon saut! Je suis deg. Oh, putain, tout à l'heure quand j'étais à la fin, je voyais tellement l'arrivée arriver. Je me suis dit, putain, c'est la fin. Et en fait, j'ai été, comment dire... Je me suis pas concentré sur le dernier saut que je devais faire, je pensais que là où le bloc où j'étais, c'était la fin après. C'est-à-dire qu'il y avait plus rien qui allait m'arriver, je pouvais attendre que l'arrivée arrive. Malheureusement... Que nenni! Après, il doit y avoir une technique en vrai, hein, pour bait un peu trop un peu les Kamek. Hein. Ah, je veux. Enfin, ça me paraît très logique qu'il y ait une technique pour les baits. Enfin, pas pour les baits, mais pour faire en sorte qu'ils cassent pas tous les blocs que t'as besoin. Merde. Oh, c'est dommage. Je viens d'esquiver un champi. Ouf, c'était bien joué ça. Ok, l'enfer arrive. J'aurais dû aller en bas, c'était bon. Ah! En bas c'était bien là. C'était pas si dégueulasse en bas. C'était pas si mal. Dommage. Un petit fail. J'avais eu un champi. Si j'aurais eu. Putain, j'arrive pas à parler. Si j'avais eu un champi, c'était pas si mal. Parce que j'aurais pu. Bah, j'aurais pu damage exprès. Parce que là, c'était compliqué de descendre. Je pouvais pas monter en vrai. Putain, j'arrive pas à voir les lents à chaque fois. Ok. C'était pas si loin. C'est dommage. Waouh. C'était chaud là. C'était effrayant. C'était quelque peu effrayant, monsieur. Heureusement que j'ai sauté, sinon c'était la mort. Ouais, ça c'est long. J'ai suivi la coupa, suivi la coupa. Salut Sissou, comment vas-tu l'ami? Comment vas-tu Sissou? Comme tu peux le voir, je tryhard un petit peu ce niveau. Bon, pas tant que ça. Hein. Mais on essaie de se faire plaisir parce que ce niveau est très plaisant à jouer. Ça va bien. Oh, le champi, c'est dommage. Hop là. Fuck. J'étais pas en train de le finir tout à l'heure, je suis un peu deg. J'étais à un bloc près. C'était assez gênant. Ouais, il a tout pété. Ça va. Ok. Ok. La merde. Oh, le champi que j'aurais pu avoir. Non, le champi que j'aurais pu avoir est gagné encore! Ah! Fuck! Putain, si j'avais eu le champi encore à un poil de cul près! Oh oui, oui, Todd! Magnifique! Fantastique! Le bon tuyau de Sissou. Je travaille un petit peu ce niveau, Sissou, et je passe sur ton niveau. J'étais pas si loin, c'est déception un peu. Là j'étais à 2-3 blocs je crois. Oh la merde, je suis con. Je suis un peu con. Comme tu veux, d'accord. D'accord, d'accord. Que ça devienne pas trop chiant, tu vois, de faire ce niveau non plus. Parce que le but c'est qu'on s'amuse. Ok. J'en suis capable de le finir assez vite en vrai. Salut Sid, comment vas-tu l'ami? Merde, voilà. Fuck. Sid il change tout le temps de couleur. Maintenant il est vert. Ce niveau te saoule.
Ah! Moi j'adore moi. C'est vrai qu'on le voit partout en vrai, mais. C'est un peu le niveau du moment, tu vois. C'était chaud. Please quoi. Eh, hey, laisse-moi partir, non? Putain, l'enfer que ça a été là. Bah oui, il se relève! Bah oui, le Goomba se relève, c'est vrai. Quel oubli. Quel oubli du joueur français. C'est la punition instant. Ta suite va bientôt être préparée. Impeccable ça. C'était rapide quand même. Ou tu vas bientôt l'amener à réparer. Ok, je prends. Là j'avais pas 36 000 solutions, ouais. C'était, je priais pour qu'il n'y ait pas de pique. Allez, on se concentre, on a champi, c'est la fête. On est bien. Super. Ok, je suis tombé comme une merde. On remonte vite. Ok. Ah, mais là, c'est l'enfer, là. Mon champi. Ah merde! C'était chaud là, ils ont rien cassé, c'était bien. Mais je suis descendu comme un con, j'aurais dû monter. Mais monter, il y avait des trucs qui me gênaient quand même. J'avais le champion. Ce champi encore! Que j'aurais dû garder et pas perdre comme un con. Ouais. Merde, putain, j'étais bait par le champi. Je le voulais ce champi et je me suis suicidé pour l'avoir. Y a pas beaucoup de niveaux aussi dans la liste pour l'instant, il y a que 6 sous. Comme je disais, je travaille un peu ce niveau. Et je partirai sur le niveau de. Proc. De 6 sous. Quelle heure il est? Je travaille encore 7 minutes jusqu'à 13h, je pense. Et ensuite, je passe au niveau de 6 sous et je reviendrai dessus quand j'aurai pas de niveau, je pense. Parce qu'en vrai, il y a moyen que je termine, hein. Franchement, j'ai pas. Je pense que même avec une mauvaise RNG, si t'as un skill qui va avec, tu peux te sortir de la merde. Sauf si t'as vraiment full bad RNG, quoi. Ce qui peut arriver, hein, quand il n'y a pas de slot de libre, on va dire. J'aurais bien voulu champi. C'est un niveau génial celui-là. Fuck. Wouah, c'est une joke! Tout ça pour un champi que j'ai pas eu. Quelle merde! J'arrive pas à sortir de la merde. Sorti? Ah, ok. Il y a un champi quand même. Il y a encore un champi qui est tombé. Je suis déçu. Ok. Tendu. Et là c'est l'enfer, là je suis obligé de mourir. Là je pouvais pas survivre par exemple. Honnêtement, tous les blocs allaient se faire sniper. Et je peux que descendre sur le même bloc, sur la même ligne, enfin même colonne. Et forcément, il y a des monstres qui vont tomber sur la gueule. Là c'était impossible. Il y a des rangs comme ça qui frustrent par contre. Là c'était chaud. Il aurait fallu un champi. Ah, un petit niveau de seed. Ce niveau est quand même super bien.
vite. C'est dommage. C'était un champi. Oh fuck. Ah non, pas maintenant. Ok. Ok. L'enfer arrive. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, putain, ils ont tout cassé au-dessus. Je suis obligé de descendre, en bas, il n'y a pas de place, en bas. En bas, c'est mort. En fait, quand t'es en retard, il faut que je... Il faut le garder un peu d'avance, histoire de pouvoir réagir. S'il y a un malheur. Parce que là, il y avait malaise. Ok. C'est qui le current? Le current, si la personne, c'est le fameux niveau des Kamek. Que beaucoup de monde try ces derniers temps. Oula. Sinon, le prochain, ça sera le niveau de Sisu. Que je ferai vers 13h à peu près. Après avoir un petit peu try celui-ci. Et comme j'ai tout à l'heure à Sisu, je retournerai sur ce niveau quand j'aurai pas de niveau après. Je pense. Comme il n'y a pas forcément grand monde aujourd'hui. Ah mais c'est l'enfer, je savais un peu où j'étais par contre là. Honnêtement je me pensais pas si loin. Je pensais que j'étais plus proche du mur. Du coup ouais c'est aussi chiant de pas se voir en plafond honnêtement. C'est ce qui rend un peu le niveau encore plus skillé tu vois. Parce qu'il faut savoir ce que tu fais quand tu sautes. Hein. Vu que tu te vois pas. Tu montrais à part toi. Après c'est vrai que ce niveau bon c'est RNG quoi. Ça peut énerver. Mais c'est de la RNG à laquelle tu peux réagir tu vois. Sauf des fois où c'est impossible et là dans ce cas là. Tu peux être frustré. Mais ta mère, non? Hein? Ta mère, mon petit gars? Allez, petit dernier try. Dernier try correct, et on passe à ton niveau, Sisu. Correct, hein. Ouais, il est pas du tout correct, celui-là. Pas du tout. Mais alors, pas du tout correct! C'était la loose. Papalapua. Oh oh, ça va. J'aurais pu prendre le champi, j'avais le temps. J'ai tardé. À réagir. C'est embêtant ça. Aïe aïe aïe. Oh bon dieu. Oh encore un champi qui me tombe sous les pieds. Ça fout la haine ça. Je vous le dis. Hein. Vite. Merde. C'était un bon try. Passons au niveau suivant. Niveau de Sisu. On y retournera après. Peut-être. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. J'ai pas tant de try. Je crois que je suis à une autre try pour tout et pour tout. Dessus. Tu reviens avec ton compte si ça marche. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas cette fois, non. Warp World. 6 ou next. Putain, mon cœur bat vite. À chaque fois que j'arrive à la fin du niveau, ça commence à s'accélérer, tu vois. Il y a la pression qui monte. Parce que ça dépend juste du choix que tu fais, tu vois. Quand c'est pas impossible. Et c'est ça qui est fort. 6B, 4. 67, Y, N, 9, G. Les bons tuyaux. Ouah, c'est marrant. 18 essais, deux mecs qui ont mis les pieds qui ont abandonné. Ok. Ok, 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 ok. C'est avec Todd Pay. Bien évidemment. Notre fameux ami de Todd Pay. Ok, bien joué.
J'ai suivi la pièce par réflexe, mais je me suis pas douté qu'il y avait un truc qui allait tomber dessus. Là, je fais n'importe quoi, hein, je te cache pas. Ok, donc il faut garder le bloc. Re-seed! Seed avec son vrai compte! Ah, c'est stressant. Parce qu'il faut. Faut air. Enfin, faut. Tu vois, faut rester un petit peu dans les airs pour éviter que d'aller trop vite. Comme ça, là. On peut dire qu'il y a de l'idée, mais voilà. Il faut le casse-tête. Oh merde, je pensais rebondir dessus. Ah, ça c'est chiant, je pensais vraiment rebondir dessus. Sympa comme niveau pour l'instant. Est-ce que c'est bientôt la fin quand même? Est-ce que c'est bientôt la fin? Ça fout les boules parce que c'était fini. Et je me suis dit, moi je veux monter sur la pince, ça a l'air rigolo. Moi aussi je veux jouer avec la pince. Moi aussi je veux jouer avec la pince. Mais non, il suffisait juste de rebondir sur le Goomba et de partir et c'était fini. Fuck. En vrai, je crois qu'il y a moyen d'attirer directement sur le bout de bois. Sur le bout de bois, le fameux bout de bois. Ouais. Perte de temps. Padapapam. On peut aller direct en vrai, je crois aussi là. Petite perte de temps qui servira pas à grand chose. Oh non! Ah, quel con! Quel con! Et quel con! Je crois qu'il y a deux cheese. J'aurais pu avoir le world record si j'avais pas chié dans la colle. Là, il y a moyen de gruger, je crois, si on peut être rapide. Voilà. On peut gruger comme ça. Bon, j'ai perdu un peu de temps. Il y a moyen de gruger. Deux cheese, tu vois. Deux petites cheese. Après, c'est pas forcément un cheese, je trouve ça sympa de pouvoir y aller comme ça. Tu vois, ça donne une façon différente de pouvoir y aller et ça. Ben, ça donne envie, tu vois, ça permet de speedrun un petit peu, de world record le niveau. Et de se battre pour l'avoir. Donc, c'est pas si mal. Bon. Comme tu veux, mais il est bien comme ça, moi je trouve. Honnêtement. Sauf peut-être pour le cheese où on peut damage boost. Mais sinon, c'est cool, hein. C'est un très, très bon niveau, vraiment. Les mecs qui ont abandonné, ils sont pas persévérants, hein. C'était pas si dur. Ils ont un peu craqué leur slip. Ils ont dû le faire en série expert, je pense. Passons au niveau de Seed. Et c'est de mon premier niveau, d'accord. On va essayer ça, Seed. Alors. Donc je suppose que c'est ton profile. Je suppose que l'idée est ton profile. Par contre, le bot, c'est quand tu veux, mon gars. Next. Ah ouais, si je clique pas sur next, il va pas venir, hein, forcément. Forcément, hein. Ok. Mais j'ai déjà joué au premier Mario Maker. D'accord. MPJ. 25H. M1A, je vais commencer par le connaître par cœur, ton idée. Alors, le premier niveau, c'est tout en bas, normalement. Non, si. Enfin, j'en sais rien, en fait. Normalement, si, c'est tout en bas. Mais non, en bas, c'est le plus populaire. C'est lequel, ton premier niveau? Ah, bah, c'est mon premier niveau. Bien vu. Let's go! Voici mon tout premier niveau de la suite de Super Mario Maker. Ça a l'air facile. Mais ok. Let's go. Travaillons ça. Une pente, ça teste les pentes ici. Hein.
Wannap Trick. Comment ça, Wannap Trick? Ça, c'est bien ça. Ah oui, pour la vie, d'accord. Enfin, pour la pente. Eh, pas de vie. C'est décevant. Le 4. Un tuyau qu'on peut pas prendre. La déception à son paroxysme. Me tue pas. Ok. Un petit bonus. Oh, stylé. Cette musique, on entend pas souvent. Elle est géniale pourtant. C'est vrai que cette musique, on entend pas souvent. Bon, j'aime pas le remix. Mais la musique, de base, j'aime bien. Et il me le renvoie, ce gros porc! Regardez ça! What the fuck? Moi, je veux le ressort. C'est mon ressort, c'est mon pote. C'est mon pote le ressort. Oh fuck. Sympa comme niveau. Simple, basique, très Nintendo. Niveau très Nintendo, c'est cool. Hein. Plus court que tes niveaux habituels, mais c'est ton premier. Mais sympa. Sympa, sympa. One. Bon, eh bien, on va retourner sur notre fameux niveau, hein. Le fameux niveau. El famoso, comme on dit. Ah, c'est parce que tu l'as supprimé, c'est pour ça que je le vois plus. Ok. Ah, niveau de seed, mince. Ah, c'est encore ton profil, je crois. Je retravaille 5 minutes celui-là et je passe à ton à un de tes niveaux aussi. Ça roule? Enfin, on va dire que je refais un bon try sur ce niveau. Je suis fatigué de ouf par contre. Je me suis pas couché très tôt honnêtement. Mais ça va. Je tiens le coup. C'est la mort. Ouf. Dans le trou, petit trou. Je sais pas où est le truc en haut, j'ai oublié. Pas de champi. J'ai trop tardé et du coup ça passait plus. Fuck, c'était pas du tout un bon try ça. Un bon try, c'est un try où on voit l'arrivée. C'était chaud patate. Oui. Mais ça devient chiant par contre sauter à l'aveugle. Ok. Putain. Oh le champi. Oh la haine. La haine! J'ai esquivé le champi de pas grand chose. C'était pas un bon try non plus. Un bon try, c'est 234. Ouais, mon gars, il faut de la place aussi.
Salut! C'est un peu random. Mais c'est random, mais tu peux réagir à peu près tout, tes situations. Sauf quand tu ne peux absolument rien faire. Il y a des fois où tu peux absolument rien faire. Mais c'est pas full random. Et tu peux réagir. Et ce qui est bien, c'est que ça traîne vachement les réflexes des jumps. Oh putain, l'enfer. Ok. Toi, ça te fait faire des séquences qui sont assez costauds en termes de jump. Là, c'était une bonne séquence, tu vois. Et ça, par contre, là, honnêtement, là, si on réfléchit bien, j'avais pas grand-chose à faire. Je pouvais pas me laisser tomber sur le prochain bloc qui était trop loin. Je pouvais pas sauter entre les deux trucs parce que, le projectile du haut était trop en avance par rapport à celui du bas. Donc du coup, je pouvais pas courber et tomber par-dessus le premier et au-dessus du deuxième. Ah, je pensais passer. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. On va se concentrer un peu parce qu'on a le niveau, on peut le faire. Todd est talentueux. Todd a un incroyable talent, faut pas l'oublier. Son talent, ce n'est pas de faire que mourir. Ok, on a un champi, c'est bien. On évite de le perdre comme un con, hein. Ce serait bien ça. C'est comme l'occasion du Kamek, je connais pas celui-ci. Ah si, je crois le connaître. C'est un petit niveau où en fait il faut qu'il transforme un bloc en. En pièce ou un truc du genre, je crois. Sinon, c'est mort. T'as l'enfer que c'est là. J'ai plus trop de blocs, c'est un peu embêtant. Ok. Oh, ce saut, t'es pas facile à faire en vrai, tu vois. Là c'est la mort là. Putain. Voilà. Ça fout la rage, hein, honnêtement. Parce que si j'avais pas fait le con à prendre un projectile, j'aurais pas été dans la merde après. J'aurais pu prendre un damage pour prendre un bloc qui était safe. Là j'ai essayé un bloc qui était pas safe. Enfin, j'ai essayé un bloc et puis j'ai pas vu le projectile qui allait sur le bloc et qui l'a transformé en une pièce. L'idée du niveau, je ne sais pas. Pas, allez, il est où, il est où, il est pas là. Je vais te le montrer, de toute façon je vais quitter ce stage parce que je vais passer au stage de Sid vu que c'était un bon try. Et bonjour à toi sinon, Ogumoldu. J'espère que tu vas bien l'ami. L'idée est ici, PDH F1D DRG. D'accord Sid, mais il y a bien un niveau qui existe comme ça, je l'ai déjà fait. C'est bon? Impeccable. Passons au niveau de Sid alors. Tu me dis lequel Sid en sont faits? Et je fais. Et je m'exécute. Je suis ton exécuté. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, hein. MPJ. Putain, ça, je le connais par cœur. Pourquoi je me fais chier? Et pourquoi je le réécris? 25H, M1H. Ouhou, pourquoi je vais à gauche alors qu'on peut aller à droite? C'est plus rapide. Voilà. Alors, quel niveau, Sid? Parce que là, et bientôt il n'y en aura plus quoi. Ouch, ça c'était mon orteil. Merci pour le follow, Ogumoldu. Bienvenue à toi dans la Tots Family, l'ami. Bienvenue à toi. Merci du soutien, c'est toujours cool. C'est toujours cool, je te remercie. Comme tu veux, Sid. Hein. Si tu me dis pas, je vais choisir, je pense. Oh non, pas celui-là. Pardon, excusez-moi. Ah, oh, mais il y en a beaucoup dans le Dark Mario, dans le 3D World. Non, moi, le 3D World, c'est. C'est niet. Je suis raciste. Enfin, j'aime pas, quoi. Donc, si je peux éviter de les faire, ça m'arrange. Non, j'ai envie de toucher le contrôleur quand même. Allez, on va faire celui-là. The Scroll Stop Underground. On va tester.
You have to find the star treasure and tell Bowser and his minions. Il a pas l'air si simple, hein. Bon. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Ça, c'est la question. The Scroll, pardon. Bah, je crois que c'est The Scroll, non? Je sais pas. Oh, je suis pas convaincu, mais. C'est génial! Putain, y'a un Goomba pas content. Oh là, eh. Moi j'aime bien. Mécanique rigolote. Par contre. D'accord, fais le tour. C'est bien. Par contre, il y a moins d'un pour cent. Le timer, du coup, je pense qu'on est obligé de le prendre dans la bouche. Du fait que ce soit un scroller. Ah ouais, super. Ouais, d'accord, j'ai compris ce qu'a tué les gens. Les frères marteaux. Le champi du bonheur. Ah. C'est un bon niveau, c'est sympa comme mécanique. C'est genre des étapes, quoi. J'espère qu'ils reviennent pas. Ça va. Un champi, s'il te plaît. Dommage. Ah, des tops! C'est mes potes, les tops! Oh, ça fait pas être mes potes du tout. L'enfer, c'est maintenant. J'aurais bien un champi. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire là? Ah ouais, mais j'étais pas au courant. Ah non, non. My body was not ready for that. Je n'étais pas prêt. C'est dommage. J'étais pas prêt. C'est dommage. Bon, c'est sympa comme niveau, j'aime bien. C'est genre des petits écrans énigmes quoi. C'est bien. Je fais le con là, là par contre c'était stupide de ma part. Ok, waouh. Merci d'avoir suivi le. Frère Marteau, c'est un plaisir. Il y en a encore un je crois, oui. Même deux je crois même d'ailleurs. Ok. Fais-moi ça. Non, j'ai pas envie de perdre mon. Ok. Laisse-moi passer. Très bien. Oh, j'ai oublié ces trucs-là. Quelle erreur. Quelle erreur de jeunesse. Wow. Les top. Ah, mais c'est fini là. Ah non. Ah non. Ah non, mais non. Oh, on peut soft look. On peut soft look. Quelle erreur! Ok. Ça, c'est un souci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire hey, je vais tuer les tops. Comme ça, je vais être safe. Nope. Tue pas les tops, mon gars. Sinon, t'es peut-être safe, mais. T'es safe pendant 400 secondes, quoi. 300. Ok. Et des coups pas, on se fait pas avoir. D'ailleurs, on va tricher, hein. Puisque, bon, voilà. On est Todd, nous on triche tout le temps. Voilà, ça on l'envoie là-bas comme ça. On casse Monsieur Frère Marteau. Bim. Vas-y, c'est ton marteau. Et bim. Ok. C'était un peu rapide de ma part. C'est pas grave, il y a un champi juste après. Ok, donc là c'était quoi? Ah oui, c'était le truc relou là. Ok, on s'en sort. Laisse-moi partir s'il te plaît. J'ai failli tomber dans le trou. J'ai failli tomber dans le trou. Ça fait être incroyable de moment. Un gros moment de plaisir. Ouais, c'est quand même assez chaud ça. Yes! Je l'ai fait. I did it! I fell on the hole!
Le mur peut me toucher quand il explose. Hein. Faut que je fasse attention quand même. Il faut que je me méfie du mur. Hein. Viens là, toi. Merde. Eh, le phare marteau? Eh oui, tu l'as pas tué là. Ah bah oui! Il faut le tuer, hein! Il avait pas encore pop dans la caméra, dans l'écran. C'est pas grave. Salut Nintendo fan! Comment vas-tu, l'ami? C'est un peu un passage très compliqué sans se faire toucher, ça, très honnêtement. On fait pas le con hein, cette fois, on fait pas le con, hein. Comment vas-tu, l'ami? Ok, parfait ça. Nice, on tombe pas dans le trou, hein, pas deux fois. Ok, là ça va monter, on n'oublie pas. On se prépare. On esquive ça. Et on se place ici, prêt. D'accord, ça repart à droite. Je tirais pas loin un champion, honnêtement. Ok. Très bien. Il y a un checkpoint, ça va. C'est quoi ce bordel? Ben non. Ah mais putain, ça d'accord. Oh ce bordel! Moi je pensais que c'était de tuer les mobs. Mais en fait pas du tout, faut tracer. Après on peut les tuer je pense, mais... Fait chier à voler lui. Oh là là, et c'est... C'est bordélique hein. On va pas se le cacher, c'est bordélique. T'es toujours parmi nous, Sid? C'est assez bordélique. Ah bien les tuer parce que c'est l'enfer sinon. Ah mais c'est quand même l'enfer même comme ça. Ouais mais c'est... S'il est plus là en plus, je crois. C'est dommage. On fait son niveau alors qu'il n'est pas là. S'il est là. Mais je veux passer, moi. Arrête tes conneries. Mais oui. Salut Grindor. Comment vas-tu, l'ami? C'est ce buzzer qui m'emmerde. Faut que je le bute. C'est impossible à buter. Et c'est quasi impossible à buter. Non, c'est... Ça va bien, pour ma part, en tout cas, ça va bien. Merci, Grindor. Ah, trop tardé, bah oui. Faut que j'aille direct, sinon je me fais baiser, j'ai plus le timing pour prendre le petit power-up. Power-up! Ah, c'est... Ah merde, j'aurais pu sauter. C'est très bizarre. Très bizarre ce passage. C'est à qui ce niveau facile? C'est Agnès Acide. Dégage. Mais oui, mais lui, il me fait chier, lui. C'est lui qui m'emmerde le plus, en vrai. Oh là 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 là. Une fois que tu passes cet enfer là, après c'est plutôt safe, en vrai. Il y a juste l'autre connard derrière là qui t'emmerde. Lui là, sac à merde. Mais c'est chiant. Hein. Allez, on passe. Non, dégage.
Ok, on passe le passage, c'est bien. Heureusement qu'il y a un checkpoint avant. Ok, là on tue tout le monde parce qu'on n'est pas content. Bon, y a quand même un Bowser qui nous emmerde. Dégage. Non, 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 tu vas mourir. Tu vas y passer, mon gars. Tu m'as fait chier, c'est fini. Qu'est-ce que t'as, toi aussi? Ouais, je vous bute, moi. Qu'est-ce qu'il y a, là, hein? T'es bon, elle est malin, maintenant, hein? Bande de petits cons, hein? Bon, la fin est... C'est bizarre. C'est sympa comme mécanisme, mais c'est le souk, en fait. C'est le souk. Mais c'est cool, ça reste un bon niveau, c'est sympa. J'aimais bien le concept de... Bah de mini salle et de mini tableau à faire quoi. C'était plutôt cool. Passons au niveau suivant. Niveau suivant. Niveau de 6 sous qu'on a fait juste avant mais qui a été modifié du coup. Parce qu'il y avait du fromage dedans. Il y avait deux fromages. Et il a enlevé le fromage. Pourtant le fromage c'est bon, c'est con. GX1. 1F8. KGB, KBG. KGB, non. KBG. Les bons tuyaux, le retour. Bon, c'est parti. Alors, normalement, il a bien les cheese. Donc, on oublie de faire le niveau de la façon normale. Vérifions. D'accord, faut tuer les... Bien joué. C'est un bon cheese. Enfin, c'est un bon anti-cheese. Ok, déjà, je commence bien. Quoi que passe forcément après. Encore ce cheese ici. Hein. Y a plus celui-là. Celui-là, il y est plus par contre. Merde. Lequel j'ai raté? Lequel j'ai raté honnêtement? Cette musique est cool ouais, j'aime bien aussi. Ah ça! Ah mais what? Je savais même pas que c'était comme ça que ça se faisait le niveau, très honnêtement, Sissou. Je savais vraiment pas que c'était comme ça. Raté. Bah ça reste, bah c'est mieux. Au moins il y a plus la triche dessus, mais il y a plus les cheese. Mais c'est cool. Il y a toujours le cheese du début où on peut passer par-dessus. Bah, c'est tombé directement sur le bois. Genre je vais te montrer lequel c'est. Tu l'as laissé exprès, c'est plutôt bien parce que c'est celui que je préférais comme cheese. Non pas celui-là. Ah, en fait je crois que non. Je crois que tu l'as viré. Non tu l'as viré je crois. Parce que je me rappelle plus s'il y avait. Le tuyau au-dessous là qui m'embêtait. Celui-là là. Bon, on l'a vu. Ok. Eh bien, passons au niveau suivant. Niveau de Nintendo Fan. Est-ce que tu es encore parmi nous, Nintendo Fan? Oh non! Tu n'es plus là! Tu n'es pas juste venu poser ton niveau et tu es parti. Sans même dire bonjour, voyons. Tu ne l'as pas touché, d'accord. Donc il y a toujours le cheese ici. Bah il était bien. Il était plutôt sympa et c'est plutôt cool alors. Bon, Nintendo Fan, on fera pas son niveau, hein. Niveau de Krundor. Quelle tristesse. Idée. Idée. Q6Q. 6 R8 X0H. C'est vraiment triste, ouais. Il est venu, il a mis son idée et il est parti. Même pas venu vérifier, tu vois, que qu'on fasse son niveau, non. Enter in this first pipe and do nothing. Enter in the second, do nothing too. Just do nothing, motherfucker. Pardon. Désolé. Je me suis laissé aller. Donc, je rentre dans les tuyaux et je fais rien. Très bien. Kylenos a le world record. Est-ce que Kylenos a triché le world record? Est-ce qu'il a genre pas rien fait? Pouet, 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 pouet. J'adore cette musique aussi.
Marrant. Il triche tout le niveau. Sympa ça. Ouais, assez simple ça, pour le coup. On va se faire pousser au point d'avance. Bim bim, les deux en même temps. Ok, assez simple. Ok. Ok, ça a dû être chiant ça à faire. Après, il est clairement coupable. Hein. Dans le sens où on peut aller avancer tout droit, tu vois. On peut le couper dans tous les sens au niveau. Patapam patam. Tu peux faire de la musique avec avec les canons qui tirent. Stylé ça. Ah ça c'est une bonne mécanique tu vois qu'on voit pas dans les niveaux. C'est stylé à voir. Ça on la voit pas dans les niveaux c'est vrai. Pourtant c'est bien pensé. Poète 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 poète. Oh joli ça. Ah ouais, il a cramé ton niveau. Hein. Il a dit, je vais tout droit, je m'en branle. L'enfoiré qu'il a neuf. Poète, poète, poète. Il est bien, il est long. Pour l'instant. Ok, on rentre dans le tuyau. Et on attend. Pum 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 pum. On va se faire pousser, nice, on glisse pour une vie. On s'arrête, on sait prendre. Ça va nous faire monter du coup. Et on va tomber dessus. Voilà. Bien vu. Ça c'est flippant. So, ok. Il va remonter, il va nous prendre, on va tomber. La pince à nous choper un jour. C'est bien joué. Bien joué ça. Et on arrive, ok. Et je crois que c'est le World Record. Ah non, pardon. Non c'est sympa ça. C'est ton premier niveau auto. Bah c'est sympa, il est bien foutu. Moi ce que j'aime bien dans les niveaux automatiques aussi, c'est que tu puisses pas les faire tu vois en trichant. Tu vois ce que je veux dire? Eh, hey, y a Mario, il est comme moi qui l'annonce, c'est full Mario. T'as vu ce skin un peu? Incroyable! Ouais, moi ce que j'adore des niveaux automatiques, c'est que tu ne puisses pas les tricher. Ou alors, si tu veux les tricher, tu vois, c'est un défi. Ouais, il est facile à tricher, hein. Tu peux avancer tout droit sans trop de problèmes. C'était cool, c'était sympa, il y a de bonnes idées là-dedans. Des bonnes petites idées. Passons au niveau de 6 sous. Ouais, j'ai vu que t'avais fait un niveau auto, Sid. Je l'avais passé tout à l'heure, mais je vais peut-être le faire. Ou alors c'est celui que t'as posté, je sais pas. Ouais, bon, on va le faire après, tiens. Je pense que tu peux, oui, vu qu'il a speed comme pas possible. Ouais, ouais, c'est tout droit, hein. Honnêtement, j'ai vu, il y avait pas beaucoup de pièges en fait. Idée, il n'y a pas de truc de passage obligatoire en attente ou quoi, avec des timings serrés. KG1. KG1, Y1T, ou 1YT, 1YT plutôt. Tac, VWF. Yes. Papapapapada. Here is cave, 20 secondes. Un petit speedrun aujourd'hui, on n'a pas eu ça. Enfin. Non, on n'a pas eu. Si, il y a eu Chris, un petit peu tout à l'heure. Chris n'est pas envie de manger d'ailleurs. T'es obligé de taper le bloc on-off pour libérer le tuyau, d'accord. J'ai pas déjà fait celui-là. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai fait. J'ai fait un niveau où on était sur les trucs. Non, mais j'ai déjà mis le cool. Par avance. Je mets le cool par avance, moi. Mais il me parle ce niveau. Pourquoi il est tombé du tailleur? Merde, quel con. Ouais, j'ai fait son niveau avec lequel il a détruit. Je sais, ouais, il m'a dit. Sur son niveau là, 40 secondes, je crois que c'était. Il n'est pas si difficile en plus. Et apparemment, il a tué le streamer, ouais, il m'a dit. Incroyable. Je fais n'importe quoi.
Mais vas-y, raconte-nous! Raconte à tout le monde! Mais descend! Ah, il faut que je monte dessus, ouais. Bon, je vais arrêter de faire de la merde, non? Parce que bon, là, c'est pas compliqué, je pue la merde. Ah, pardon. Mais vas-y, raconte quand même! Je suis un spoiler! Eh, j'ai fait me faire écraser. Oh, je me perds. Ok, c'est bon, j'ai la route. Je vais aller voir du citron. Ouais, c'est bien pour les intestins, le citron, mais... Ça, c'est pas très bon comme ça. Ah, mais c'est... Bon. Il est pas compliqué, hein. On y va, on arrête de faire le con. On arrête de faire le con parce qu'on n'est pas nul. Toi, t'as un incroyable talent, faut pas oublier ça. Hein. Par contre, tombe, tu vas m'énerver sinon. Yes. Timing pas très serré, j'ai juste galéré un peu. Je pense qu'on peut gratter une seconde, voire une seconde 50, je pense. Ouais, 500, pardon. Il doit y avoir moyen de gratter une seconde 500, je dirais. Ah oh, bah, 2 secondes 5 même. Waouh. Bon niveau, sympathique. Les mécaniques, je les ai déjà vues par contre. Salut, Jus. Comment vas-tu, Jus? J'espère que tu vas bien. Merci pour les GG, merci à vous. Passons au niveau suivant, niveau de site, qui serait un niveau automatique du coup, vu que c'est moi qui choisis. Yes. Alors, l'idée, je le connais toujours pas par cœur, évidemment. MPJ. Tiens, moi, Jus, quelle blague, Under. Merci pour le follow de Twitch, bienvenue à toi dans la Toast Family, ami, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. 25H. M1HE. Ça roule, impeccable. Ah ou. C'est... Oups, démasqué, Jus. C'est un peu ce qui s'est passé hein, dans ma tête. Enfin, c'est pas comme on dit déjà, je partais pour lire le pseudo et après je me suis rappelé qu'il fallait que je dise Jus. Donc voilà, ça s'est passé plus ou moins comme ça. Tu commences une carrière qu'une d'or. Bah... Bon. J'espère que ça a marché, du coup, qu'une d'or. J'espère pour toi. Faisons ce petit niveau automatique, hein. Ah, on va faire château de voyou alors. Château de voyou. Il est où ce con de niveau? Ah, impeccable, Jus, alors. Parfait. Si je peux donner le sourire, c'est le principal. Château de voyou. Salut Wijussi, comment vas-tu l'ami? J'ai mis un peu de temps à lire ton pseudo parce qu'on voit rien sur cette nouvelle interface de Twitch là. Et bah c'est pas si simple hein. J'espère que tu vas bien l'ami. Je serai au Stade de France le 30-02-20. Eh bien écoute, moi j'y serai pas je pense. Faudrait peut-être step up les blagues. J'ai eu pas trop de purges non aujourd'hui, pas trop de purges, ça va. C'est plutôt safe. Hein. J'ai fait des niveaux de crise et c'était même pas des purges. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est sacrément incroyable. Des niveaux de crise qui ne sont pas des purges. Je sais pas comment c'est possible, mais ça s'est bien passé. Non, ça se passe bien aujourd'hui. Ground n'est pas passé, non. Et elle a pu me filer ses purges aussi. En plus, j'étais prêt aujourd'hui. Hein. Honnêtement, j'étais prêt à faire tous les niveaux de ouf. Hein. J'étais prêt à faire le niveau de l'enfer aujourd'hui. Hein. J'ai même try le niveau des Kamek. Hein. J'ai fait un excellent try d'ailleurs, j'aurais dû le clip. Eh, hey, tu me laisses passer mon gars. Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde aujourd'hui, hein. Comparé à d'habitude. Oh yes. C'est un petit niveau du coup. Pas de soucis de Twitch, avec plaisir. Putain, il m'a viré dans le vide, sans forêt. Et c'est pas cool, hein. Il m'a mis un coup de bide. C'est moi. Arrête ça. Ah oui, super. Là, c'est la patience qui me perle. Dégage, toi. Ok. Donc là, on évite de faire un combat de ventre avec lui parce qu'on va perdre.
À chaque point, j'adore à chaque point. Ok, là on rush parce qu'on voilà, on n'a pas le temps. La non-patience. Je cite le streamer, c'est un psychopathe, il se fout de ta gueule avec le titre. Il te prend pour un nul, je vais lui montrer. Waouh! Waouh waouh waouh! What the fuck? C'était. Je m'attendais pas à ça. Mais t'es trop con pour voler toi, mon gars, arrête tes conneries! Non! Non! Oh, les réflexes du joueur français? Non! Yes! Ah ouais, donc Chris il a vraiment tué le streamer quoi. Et je. Putain, et je vais pas faire mon mec, mais le niveau était pas. Franchement, c'est un des meilleurs niveaux de Chris en vrai. Parce qu'il est pas frustrant, tu vois. Chris il a l'habitude de faire des niveaux frustrants. Mais vraiment, il n'est pas incroyablement dur. Hein. On l'a connu pire comme niveau de Chris. Hein. Ok. Dégage. Vite. Oh, je joue de la chatte. Vite, fuyons. Sur ça, un vert citron. je veux pas. Non, je... non, pas maintenant. Non, non, bah non. Bah non. Là, en plus, Sid m'a déjà fait le coup avec ça. Il faut que je trace direct, faut pas que j'attende. Sinon, c'est l'enfer. Bah oui, parce qu'au début, il parlait, il était joyeux et pendant sérieux 30 minutes, il a pas parlé, immobile, le visage fermé. L'enfer. Chris, le tueur de streamer. Ah, c'est plus simple comme ça. Non, je trace. Moi, j'ai pas le temps, si, regarde bien. Regarde bien à quel point j'ai pas le temps. Voilà. Tu sais, y a un train qui m'attend, là. Todd, il doit prendre le train aussi. Eh, il est blanc, lui. Pourquoi il est blanc? Parce qu'il fait boue? Pourquoi il a vu le cul blanc? Ouais, j'ai le record en plus sur le niveau. Et honnêtement, il y a moins de gratter 2 secondes. Mais qu'est-ce que je fais, là? Il y a moins de gratter 2 secondes en plus sur le niveau, je pense. T'as le clip, hein, tu regardes la VOD, il y a le niveau si tu veux. Que j'ai fait. Je crois que j'ai mis une demi-heure à le faire. Un peu moins. Et j'ai bien aimé parce que les sauts ils sont jouissifs à faire. Hein, les sauts du début. Tu sers à le niveau, tu vas, il est pas. Et il donne pas envie de meurtre. Hein. Tiens, tombe! Gros porc! Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, bien joué ça! Ça fait le drame. Non mais c'est embêtant là. Voilà, bien joué. Power up chat, moi j'en ai pas besoin, moi j'y vais comme ça moi. No need. Et c'est la fin, et c'est un bon niveau sympathique. Merci pour ce niveau Sid. Merci pour le GG également. Plutôt sympa comme niveau. Merci, merci pour les GG, yeah. Todd il est content. Et pas que le Todd que vous voyez à l'écran, le Todd aussi qui est sur la cam. Je suis content. Yes. J'aime pas les chats, exactement. C'est comme les tops, j'aime pas ça. Passons au niveau suivant, je crois qu'ici si, il y en a encore, je suis con. Re-rends ton idée quand j'ai validé ton idée. Et on le fera. Sans trop de problèmes. Voilà, j'ai validé, tu peux rentrer ton idée. Niveau de Oui-Jussi. Un petit renvoi. Tiens, dis donc. Oui-Jussi est là, donc faisons son niveau. Faisons son petit niveau. Alors, idée. Ouais, c'est pour que tout le monde passe ici, là. NY2, NGTI, PKF. Incroyable. Déjà bout 15. Oubliette, j'aime bien les jeux de mots, c'est stylé. A nice walk in a nice house. Nothing weird to see here. D'accord, ça a l'air d'être des énigmes, non? J'ai l'impression. Ou pas en fait, j'en sais rien. Je sais pas, il y a d'avoir des blocs, j'ai pas trop compris. On va voir. Ça m'a l'air fort sympathique. Ah, on doit attendre. Poète, poète. Poète, pourquoi il y a des pièces? C'est pour éviter que je tombe, c'est ça?
Bon, je crois qu'il faut qu'on aille en haut, on n'a pas le choix, d'accord, on comprend ce qu'il faut faire. Mais on va être bloqué là. Ce jeu de mots, tu veux ce gars pour ta première partie. Et comment qu'on fait là? Comme ça. Ok. J'ai pas fait exprès, hein. Bon, après, c'était la chose la plus évidente parce qu'il y avait rien d'autre à faire en vrai. Donc, ouais. Ok, donc c'est des semi-énigmes. Donc là, le but, c'est quoi? Oh, j'ai eu peur de mourir. C'est bien joué. Ça fait flipper, hein. C'était flippant, ça. Oui, justice, c'était flippant. J'ai flippé. 15. Ok, il y a un checkpoint. 15, c'est le nombre de pièces qu'il y a ou quoi? Y a pas de condition. C'est vrai que c'est flippant, les gosses, c'est le but. C'est vrai. Ok. Il y a une pièce pour qui indique, d'accord. Là, il y a la vie, c'est sympathique. Elle va monter ici. Come on! Tac. Donc là, il faut se lancer. Il fallait peut-être pas autant se lancer. C'était ça, mais sans trop se lancer, tu vois. Il faut quand même avoir peur un peu. Il faut pas être sans peur. Hein. Sinon, ça tue. J'ai compris. Je recommencerai pas. Par contre, pourquoi je suis mort en vrai? Mais. Ah, d'accord. D'accord. La cam a tout gâché. Ouais. Bah, la cam. Enfin, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un trou. Il y a un trou, je tombe, ça active quelque chose. Et je crois qu'il y a un mob ou une shell ou un Koopa sur lequel je dois rebondir et remonter. Parce que je suis obligé de tomber. Mais en fait, je comprends pas, je meurs à chaque fois. Ah, mais c'est la vie qui doit y aller. Ok. Je me fais bait par la vie en fait. Voilà. Alors, le mécanisme, c'est genre. Voilà. C'est genre la mort. Voilà. Le mécanisme, c'est ça, c'est genre tu meurs comme un con, Todd. Voilà. Vous savez tout. Todd est un petit peu, voilà, il est un petit peu con. Ok, la vie. Et là, on patiente, on attend que la vie passe. C'est très judicieux, ça. Hein. Parce que ça donne envie de la prendre, la vie. Mais c'est pas du tout ça! Je pensais que la vie... Voilà, si, d'accord, c'est ça. Putain, mais j'ai pas envie, là. Ah oh, mais c'est flippant de ouf hein. C'est flippant. C'est flippant, j'ai peur. Non, quoi non? Bah si. Le stream bug, tout relancé. Non, ça ne bug pas. Mais comment ça, non? Me regarde pas toi. Pourquoi il me dit non? Non, c'est non. Il ment, tout va bien. Ah. Non. 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 Mais comment ça, non? Mais arrête ça! Mais c'est la mort! Mais c'est pas par là, ça veut dire! Non, c'était non. Ouais! Putain, et. Ta Ghost... Oh, c'est stylé, hein. Elle est stylée de ouf. Mais attends, mais en vrai... En vrai de vrai... Si on réfléchit entre personnes réfléchissantes... Ça veut pas dire que nous sommes des miroirs, hein. Eh bien... On va reprendre la porte, non? Là, je comprends pas le mécanisme, honnêtement. Prenons cette porte. Est-ce que tu vas me dire yes? Pas du tout, y'a rien. Là, on va pas se mentir, y'a que dalle. On va tomber. Est-ce qu'on va à gauche? On peut pas aller à gauche. Pourquoi j'ai une clé? Pour quelle foutue raison j'ai une clé?
Je suis perdu. Je reste perplexe. Eh mon gars, faut tomber. Pas sur moi. Ok, je meurs pas en bas. Et ça va, faut que j'apprenne à sauter. Là, on me dit non. Pourquoi on me dit non? Je suis dubitatif, moi aussi. Non, c'est toujours non. Mais... Mais pourquoi tu me dis non? C'est ça la question. Moi j'aime pas qu'on me dise non, tu pourrais me dire oui un peu. J'esquive ton message, c'est comme ton ghost house. Non, j'ai vu Sid. J'ai vu que c'était comme ton, comme ta ghost house. On. Donc c'est pas no, c'est on dans l'autre sens. Ah, arrête, ça bug. Je vais tourner mon écran, il y aura marqué on comme ça. Je comprends pas. Attendez, on a une clé. Hein. La clé, elle est pas gratuite. Hein. Enfin, si, elle est gratuite, mais elle sert pas à rien, quoi. Quand je remonte, il est content. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets. Par contre, cassez-vous les mecs, hein. C'est chiant. Non, non, on regarde pas comme ça. On va retourner au début. Je sais pas pour quelle raison je retourne au début, mais j'y retourne. Bon, là, je me souviens plus ce qu'il y avait, donc il y avait un... J'ai changé. Mais je suis pas convaincu du tout avec ce que je viens de faire là. Mais 0 sur 20. Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Je comprends pas. Comment le... Tu as pu bloquer le scrolling au début et pas après? Enfin, ouais, c'est ça. C'est chaud, c'est bien joué. Donc j'ai une clé, c'est bien. D'accord. Je finis, je finis. Nuage, note, nuage, orange, donut et blanc. Donc nuage. Note. Blanc. C'était donut! Quel con! J'ai inversé les deux. Non, ça va, t'inquiète, je m'en sors. Nuage, lui là, donuts, et pif. Et là, voilà, c'est bien joué. C'est extrêmement bien joué, ça aussi. Hein. C'est ouf. C'est flippant, encore une fois. Putain, mais... Ça fait peur. J'ai pas envie de mourir. Eh, je connais ici. Mais c'est l'arrivée. On la voit ici. Ok. Excellent! Excellent cette ghost house! Ah, c'était parfait! J'ai adoré. J'ai adoré. C'est génial. Le mécanisme du scrolling qui change quand tu rentres dans le tuyau, j'ai pas compris. Très honnêtement, je n'ai pas compris. Très bien joué ce niveau. Merci pour les GG. Sympa ce petit mode aussi, Ju. Sympa, sympa. Nothing weird to see. Non, non, absolument rien de bizarre à voir, hein, c'est clair. On n'a rien vu de bizarre dans le niveau. En tout cas, il était génial. Passons au niveau suivant. Hein. Niveau de Dude Twitch. Dude Twitch est-il encore parmi nous? C'est mieux que Nintendo. Ouais, pour le coup, ouais. Dude Twitch est parmi nous encore. Donc, on va faire son niveau. Ça va être incroyable. Je l'espère. Aussi bien que ce niveau.
Espérons-le. RBF. W5X. Pour mieux comprendre le principe, d'accord. On fera ça après alors. 4SF. La fatigue. Pardon. Speedrun fun, yes. C'est un peu serré apparemment au niveau timing, 2%. Je suppose que c'est du tout droit et qu'il n'y a pas forcément grand-chose à jauger en termes de ralentissement. Vu que le timer a l'air serré et qu'il y a un fort taux de réussite quand même pour un speedrun de 20 secondes. Il manque quelque chose dans les mains là. Eh, il me manquait un truc dans les mains là! A plus tard, Kendor, merci de passer des bisous à toi, l'ami! Bonne fin d'après-midi! Merci. Mince, j'ai dû le rater tout à l'heure, non? Oh, il y en a deux en fait. En fait, j'ai pas compris. Je crois que je les ai ratés. Mais là, attendez! Est-ce que j'ai le droit de réfléchir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je meurs? Ah, trop tôt, beaucoup trop tôt, voyons. Ah, je comprends pas là. Ah, et... Mais voilà pourquoi je comprends pas. D'accord, je comprends. Ok. En fait, je le touche le bloc avec ma tête. Pas besoin de jeter le pot. C'est vraiment pas de pot! Encore pas à voir, c'est bien joué, hein. Ça c'est très bien joué. Fuck, 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 fuck. Ouais, je m'en doutais quand j'ai jeté le pot, je me suis dit merde, j'aurais dû le garder. Et mon cerveau il est broken, ça y est. Il veut plus faire ce qu'il faut faire. Il veut faire l'inverse à chaque fois. C'est dommage. C'est dommage. Là on jette en l'air. Voilà. Espèce de tête en l'air. Mais Toad! Why do you do that? Bah, arrêtez de rater les blocs, ça serait bien. Je suis très peu convaincu par ce que je suis en train de faire. Je n'ai rien compris. Il y a un chemin haut qui sert à rien. Là, ça m'a surpris, là. Oups. Une moto à caler. C'est un peu ça. On va en bas. Ça on garde, ça on saute. Ok, je crois que c'est ça le chemin. Et à la fin, je dois avoir le pot pour jeter sur un truc. Ok, on a le truc, je pense. C'est juste un chemin qui sert à rien en haut. Ça m'a bait. Je me fais bait. Mon cerveau, il veut trop réfléchir. Alors qu'il n'y a pas besoin. J'ai trop fait de niveau troll en fait. D'accord, c'est ça. Ok. Heureux Chris! Heureux, heureux! Je suis raté. C'est sympa le niveau. J'ai réussi, bah, j'étais pas loin, figure-toi. Si tu regardes le replay. J'ai fait un try juste après que tu sois parti, à un bloc de l'arrivée je suis mort. C'est-à-dire à un saut je suis mort. Et j'aurais pu réussir. En fait j'ai fail. Genre j'avais un bon schéma et j'ai fail. C'est dommage. C'est un bon niveau celui-ci, c'était cool. Je me suis bien fait bait. C'est ma faute. Mais ça c'est cool.
J'aurais dû fermer la liste avant qu'il me refile un niveau, Chris. Merde. Ah mince. Parce qu'on va pas tarder à clôturer la file finalement aussi. Eh oui. Il va bientôt être l'heure de se quitter. Pour aujourd'hui. Seulement. Ce sera de retour demain. Passons au niveau suivant, qui est un niveau de Seed. Enfin, qui va me passer son idée encore. Et je vais devoir faire un niveau. Choisir parmi ceux-ci ou cela. Alors, MPJ. 25H, je crois, sans regarder. Yes, M1H. Tac. Est-ce que tu as une préférence sur ton niveau aussi, là? Ou est-ce que je choisis celui que je veux? C'est l'automatique, d'accord. Alors, faut que je cherche. Don't touch le contrôleur. Ok. Just don't press any button. Ok. I don't. I do not. Je pose la manette, je monte la manette, je fais rien. Je suis comme ça. Je fais rien. Je ne fais rien. Hop, hop, hop. Je ne triche pas. I do not. I do not. Exactement. Nice. Joli ça. Michel Duchax. Voilà, c'est long là. Oh, ce bordel. C'est rigolo en tout cas. Par contre, c'est quand il veut, Yoshi. Merci. Ok. Stylé. Il me fait cracher dessus. Oh, bien joué. Bien joué, ça aussi. Flippant pour pas grand chose. Yoshi! Mon chapeau! Ok. Ah, Yoshi encore mort. Yoshi meurt tout le temps, de toute façon. L'étoile et c'est la fin. Yes. Sympathique, hein? Prête? Pas mal. Je suis fier de moi. Lui, il a triché. Tu vois, il y a des gens qui trichent. Il devrait mettre un compteur global, ouais, de Yoshi qui meurt, ouais. Ça c'est clair. Et ça serait genre. Ça serait génial. Parce qu'il y en aurait beaucoup, hein. Après, je pense que la variable elle serait trop longue, hein. Ça rentrerait pas sur l'écran. C'est un problème. Bah, dis donc, Patrick qui m'a battu. Mince alors. Yoshi est né pour mourir, c'est un peu ça. Le nombre de Yoshi qui meurt, c'est incroyable. A plus tard, Sid, merci de passer. Des bisous à toi, bon après-midi. J'en profite pour clôturer la file. On fera les niveaux qui restent. Et on se stoppera là. Niveau de Wijussi pour vérifier le mécanisme de tout à l'heure. Merci pour le follow Wijussi. Bienvenue à toi dans la toute famille, ami. Bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas parmi nous. Et merci à toi encore. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Idée alors. QFH. Yoshi a sauvé Mario et Luigi. C'est vrai. Quand ils étaient bébés. Et il le fallait, hein. Yoshi, c'est un héros. 5W6 R2G. It's already too late. Only ghost can escape the haze. Déjà Boo Manor. Ok. Déjà Boo. Free Hug. À plus tard, Sid. Comment ça, c'est un bâtard? Tu veux dire qu'il est né d'une maman humaine et d'un papa pas humain? Ok. Je suis aussi dubitatif que tout à l'heure déjà. Ok, ça va être le même mécanisme à peu près. Il y a des flèches qui nous indiquent, c'est par là, mon gars.
Très bien. On suit le tuyau, c'est sympa. J'adore ça parce que ça me fait trop penser, tu vois, genre, oh, quelque chose s'est passé, tu vois. Et là, tu fais le retour et le scroller a changé, je crois. Le scrolling, pardon. C'est ça. C'est génial. C'est vraiment génial. Par contre, je sais pas comment ça marche, honnêtement. Je crois que c'est le trigger qui est dans le tuyau, non? Je suppose. Là, c'est pareil, ça va avancer le scrolling. Je suppose que le scrolling est dans le tuyau retour, hein, le trigger. Là par contre, ouais, je suis là, c'est cool. Ah, mais vu que je me suis pas mis là tout à l'heure, ça a rien déclenché. Peut-être. C'est une possibilité. Poète, poète. Le scroll dépend de où tu rentres dans les salles, d'accord. Et là, il y a un problème en vrai. Je suis con, y'a pas de problème. Quel spring? Où c'est qu'il y avait un spring? Y avait un spring? J'ai un ressort qui sort? Oh là là, et je suis aveugle. Merci de me prévenir. Ah oui, effectivement. Stylé! Todd l'aveugle. Incroyable. Hey, il a des lunettes, Todd. Hein. Ça sert à rien de faire ça. Pourquoi je vais me faire chier Donc là, c'est lock. Je prends le tuyau. Je reprends le fameux tuyau. D'accord, il y a un on-off activé. Ok, je comprends le mécanisme. C'est bien joué parce qu'on le voit pas souvent et. Et c'est stylé, tout simplement. Est-ce que. Ouais. Faut retourner en arrière en fait là. Ah c'est ça. Ouais si. Faut retourner tout en arrière, du coup faut passer par les tuyaux, enfin par le chemin que j'ai déjà fait pour repartir à gauche du scrolling. Mais pas du tout en fait! Mais faut monter à droite, mais putain, mais mon cerveau. Oh, je suis keblo. Pourquoi je suis keblo? Ça me tue le crâne. Ça me tue le crâne. Assez stylé, hein. Ça. C'est un reset. D'accord. C'est trop stylé. Je suis totalement ébahi devant ce mécanisme. Par contre, ça glisse un petit peu trop là. C'était donc pas la bonne porte. Prenons ça là plutôt. Là. Pas du tout. C'est en train de me casser le cerveau. C'est en train de me casser le cerveau, hein. Comment ça se... Ah, j'ai compris. Là. Là, c'est pas les mêmes choses. Y a trois salles différentes? J'ai l'impression qu'il y a trois trucs différents et pas deux. J'ai eu l'impression qu'il y en avait trois. Mais j'ai pas envie de descendre parce que si je descends, vous savez ce qui va se passer. C'est que je suis niqué. C'est pas là la route. C'est un labyrinthe! Je suis paumé! C'est par là, si c'est par là. Parce que du coup là j'ai activé le on-off, maintenant je peux passer dans le truc bleu là. Il y a bien trois salles. Peut-être non, peut-être deux en fait.
Sauf que là, on voit pas si elle tue haut à droite, là, ce coup-ci. Je vais monter, par contre. Ok, donc là, on prend la première porte et on va à droite, après. Bon, je pense qu'il y a que deux salles. Sauf que quand je reprends la porte après, de l'autre côté, ça me met le tuyau à droite, parce que je vois pas... Ouais, c'est ça. C'est bien ici, du coup. Tac. Ok. Oh, ça sent le checkpoint, surtout, pas la fin. The End, je suis pas convaincu, hein. Pourquoi je suis pas convaincu? Je suis perplexe. Ça sent le début du niveau pour nous foutre la rage. Mais en fait, pas du tout. Voilà. C'est ça. Sauf que là, something has changed. Ce n'est pas vraiment le début du niveau. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je meurs? Voilà, ok. Ouais, si j'y vais trop vite, en fait, la bombe, l'explosion me tue, ouais. Ça, je me doute. Freeway. Freehug. C'est trop... Ouais, mais en vrai, c'est le problème de ces explosions, c'est que en fait, elles restent actives trop longtemps, du coup, elles te tuent quand tu veux passer. Comment ça, Freehug? Mais Freehug, mon cul, dégage, mon gars. Ils sont accrochés à quoi, eux, pour pas pouvoir bouger? Mais j'ai pas envie qu'il me friogue, moi! Les tops dans le sol, d'accord. Ils sont accrochés au top. Bien joué, tout ça. Très bon mécanisme. Par contre, je... Ouais, bah, je... Il faut que j'y fonce dessus, mais j'ai pas envie. C'est flippant. C'est très flippant. Merci à toi pour le follow et Charoto. Pardon, c'est pas facile à dire. Bienvenue à toi dans la Toad Family, ami. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. C'est trop bien joué. C'est trop bien joué parce que ça fout le seum. Mais c'est pas grave. Parce qu'en vrai, j'aurais pu mourir tout à l'heure et ça aurait. Enfin, je serais un peu réussi, tu vois. Donc mourir n'importe où, ça aurait été pas très grave. Finalement. Et j'ai un peu pensé avec la clé, parce que là tu m'as foutu une clé à gauche au début, avec une porte à ouvrir, donc si je mourais là-bas, comment je revenais ici, tu vois? C'était softlock, quoi. Ça m'étonnait de ton niveau d'être softlock. C'est plus cool de mourir du câlin, ouais, c'est sûr. Et c'est la fin, c'est stylé. C'est stylé. C'est vraiment stylé. Comment vas-tu, l'ami? Aïe, Charlotto! Charlotto, pardon. Putain, elle est pas facile. On va terminer par un niveau de Chris. Si ça, c'est pas une dinguerie. Chris, j'aurais fait 3 de tes niveaux aujourd'hui, hein. Incroyable. Très bon niveau, ça encore. Très très bon. Passons donc au niveau suivant. Salut à toi. Alors. One. Niveau de crise. Souffrance. Petit bâillement, putain. Ah, pardon. Alors. 7K9. Ok. FLL. Ok. YPF. Ok. With the whack. 4 attaques. C'est pas un niveau de Chris. Hein. Ah, mais c'est un niveau de l'enfer apparemment. Warbox égale practice. Pff, je suis nul à ça, moi. Je suis nul avec ce Mario et je suis nul avec le chat. Ah, je me suis pas trompé d'idée, hein. C'est bien celui que t'as niqué, hein. D'accord. Je le vois. Warbox égale practice, second half. Sur ce jeu Mario, faut créer toi-même tes niveaux, c'est ça, ouais. Tu crées tes niveaux et après les gens les font s'ils ont envie, ils apparaissent ou pas dans une série de défis infinis. Ou pas. Mais ouais, c'est le but du Mario, celui-ci.
Waouh, ok. Ça, c'est bien joué, tu vois. Les trucs que je peux practice, par contre, ça va. Je vois le genre du niveau. Non, ça me dérange pas, Chris, hein. Mais pas des niveaux vraiment, tu vois, que personne. Enfin, impossible, tu vois. Mais ça me dérange pas du tout, non, non, tu peux, hein. Alors. Je sais pas du tout. Là, faut que je comprenne. Il faut que j'analyse. Il faut que je processe le processus. Mais je comprends pas. Est-ce que je dois... Non, là, je comprends pas, là. Ça manque d'explication explicative. Est-ce que c'est ça, là? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'après, je dois faire ça? C'est beaucoup trop. Non, mais personne ne sait. Mais comment on peut deviner ce qu'il faut faire? On n'en sait rien? Nom d'un cul. Mais ouais. J'aime pas trop ce Mario, moi, non plus. Je suis pas fan. Faut pas que je cancel, par contre. Ok. Ok. Ça, ça se fait tout seul, ok. Et c'est la fin. Quoi? Ah, il doit y avoir une pièce à choper au début, à la fin de cette partie-là. Pour éviter justement que tu cheese en passant à son bras. Là, j'ai pas compris. J'en sais rien! Parce que sûrement qu'il faut que je mette Koopa ici, que je remonte dessus, que je wall jump, que je tombe sur la plante. Mais je comprends pas ce que je dois faire avant. Si, j'ai compris. En fait, j'ai compris ce qui va se passer. C'est que ce qui va se passer... C'est que la Koopa là, qui est en train de marcher. J'ai compris, je crois. Au début, il faut que j'attende un poil de zob, histoire qu'elle se lève tranquillement, tu vois. Qu'elle se mette à être... Pas du tout. En fait, pourquoi elle s'est levée tout à l'heure? D'accord, la condition c'est ça. Ok. On va traîner ce truc là, vite fait. Ok, bah, pourquoi elle a pas spin, je sais pas. Bon, on a vu le truc, très bien. C'est un peu l'enfer, hein. Ouais, bienvenue en enfer niveau. Parce que là, faut qu'elle se lève, mais le problème, c'est que là... Là, je saute dessus, tu vois. Je récupère la shell, je la balance ici. Moi, je damage boost pour y aller. Peu importe. Mais même pas... Enfin, si, après, je fais ça, je saute, je tombe dessus. Parce qu'elle, elle va atterrir pile poil ici, j'espère. Je suppose que c'est ça, hein. Lève-toi, Shell. Et pff, ça me touche, je sais pas pourquoi. Mais je comprends rien! Ça va être une sorte de speedrun parce que le timer est serré. Mais si je vais vite, je suis niqué. Je comprends pas! À moins que... Mais... Ouais, il manque quelque chose, hein. C'est sûr. Là, c'est sûr qu'il manque quelque chose, hein. Ça a pas de sens, là. Ah, elle se relève. Elle se lève.
Elle se lève, ok. Ah, c'est pas mal, là. Mais elle a l'opposé de là où elle doit être. Mais... Je vois la finalité, je pense qu'il faut que je foute la shell sur le bloc là-bas. Je tombe dans l'eau, je saute, je tombe dessus, je fais le wall jump, je pente, je vais sur la plante après et voilà, super. Mais comment commencer le truc, je vois pas du tout. Il y a que le créateur qui sait encore une fois. Ah, faut appuyer après, d'accord. Eh mais en vrai... Ah, il faut tuer des plantes, c'est pour ça, d'accord, il y a une condition. Oh, faut spin, putain. Je comprends pas le début, hein. Pour moi, il est pas très logique. Merde. Super! Bon, on va traîner sur la deuxième partie. Qu'on n'arrivera pas souvent, d'ailleurs, je pense, à la deuxième partie. Hein. Je crois que ce niveau... Ce niveau me paraît un peu infernal, hein. Heureusement, il n'y en a que 3, putain. C'est déjà suffisant. Mais là, il manque un truc, là. Il manque trop un truc, là. Mais là, je suis mort, là. Qu'est-ce que je suis censé faire, maintenant? Pourquoi je m'emmerde, au fait? Attends. Peut-être que je m'emmerde pour rien en vrai. Ah non, faut que je tue la plante. Donc faut forcément que je la pousse jusqu'en bas. J'en ai aucune idée, hein. Du mécanisme. Parce que moi j'aurais bien fait ça, moi, tu vois. J'aurais pris ça, ok. Mais j'ai pas le temps parce qu'elle me relève sur ma gueule. Ce niveau est illogique pour moi. Ah, elle s'est levée, super. Et je crois que c'est ça, là, faut que j'attende. Oh, j'ai un bon timing en plus. Mais c'est totalement ça, en fait, hein. C'est ça, hein. C'est ça, là, c'est ça, en vrai. Quasi sûr. Tue pas la plante, certes, pour sauter dans le tuyau. Bah, je pourrais, mais je crois que pour prendre le tuyau, dans tous les cas, il faut que je sois posé devant le tuyau. Donc, faudrait que je touche quand même le pic. Donc, soit faut que je sois invulnérable. Ou soit faut que je sois grand, tu vois. Et à mon avis, là, ce que je viens de faire, c'était pas si mal. Mais là, tu vois, faut partir sur un timing. Le temps que la Koopa se lève et qu'elle soit au bord. Comme ça, je prends la Koopa sans me faire toucher. Et je peux partir avec la Koopa en avant et me faire toucher ensuite pour passer prendre le tuyau. Mais merde, quoi. Est-ce que c'est un bon timing, ça? Enfin, c'est ça. C'est ça. Il est là. C'est ici, là. Là, je lâche en main quand je fais ça. Ensuite, je me mets là, je la jette ici. Là, ce que je fais, je saute. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, mais c'est de la merde. Hein. Je veux pas mentir au développeur, mais c'est de la merde, ça. Y'a que lui qui est au courant du timer à avoir en haut à droite, là. Moi, je l'ai pas, moi. Personne ne l'a, à part lui. On va dire que c'est maintenant. Et en plus, après, c'est chaud à tomber sur le bord pile poil là. Merde. Eh non, c'est bon. Là, il faut que je sois dessus quand elle est au bord. Hein. Comme ça, je peux prendre la shell sans me faire toucher. Je vais quitter, ouais, je quitte. Honnêtement, je quitte. Ça m'énerve. Je comprends pourquoi il y a peu de réussite au stage. La deuxième partie a l'air intéressante avec les. Avec le dive, ça a l'air sympa. Mais là, c'est trop bizarre, là. Là, c'est trop bizarre, là. Quelle heure il est? Il est 14h26. Est-ce que je ne travaillerai pas un petit peu le niveau des Kamek? Peut-être. On va un peu try le Kamek. Le fameux niveau des Kamek. Mais on va se quitter là-dessus après, je pense. Il est où?
Il est là. Le fameux niveau des Kamek. Le niveau du skill est un peu RNG. Un petit peu. J'adore ce niveau. Pédé-dé. Pédé-pédé-pé. Ok. Oh, c'est la merde! Je me suis laissé envahir par mes émotions. Ou par le retard, peut-être. Pouette, 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 c'est un peu ça. Dis donc. Je t'en prie, vas-y. Snipe moi aussi. C'est un shooter ici ou quoi? C'est un shmup! Ce niveau, c'est un shmup. Poète, poète. Oula. Fuck. Tu. Pélépé. Champignon. Oh oui, oh, il est parti du mauvais côté, le con. Ok. Là, par contre, ça veut ma mort, là. Là, ça voulait clairement me tuer depuis tout à l'heure. Mais là! Regarde ce Kamek qui snipe entre les deux blocs! Bordel! J'aurais pu survivre si je... En fait, je pensais que le projectile allait toucher le bloc du dessus, du coup, je me suis dit, je vais aller au-dessous. Bon, c'était une mauvaise idée, parce que finalement, si c'était un mob, je mourrais quand même. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Putain, il se passe des péripéties dans ce niveau, c'est incroyable! Tududu. Pouette, 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 pouette! Tout, 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 tout. Oh là, ça c'est chaud! Pouette, 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 pouette! Pouette, 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 pouette! Par contre, cassez-vous! Eh, c'était comme tout à l'heure ici, incroyable. J'aurais pu survivre, j'ai fail! Là, j'ai fail lamentablement! J'aurais pu monter sur le bloc. Ouais, et j'ai fail surtout. Là, bon, j'étais pas encore vraiment à la fin, il restait 2-3 blocs, 2-3 soit faire. Mais j'ai fail, j'aurais pu monter sur le bloc au-dessus là. Ah, j'étais bien en plus! C'est marrant parce que c'était le même cycle que le try d'avant. Je pense qu'il y a moyen d'enclencher une mécanique pour que ce soit souvent identique. À peu près, hein, à peu de choses près. Tu vois, en ayant des timings où t'es sur les blocs à certains timers et tout ça. Comme ça, finalement, parce que finalement, ils visent au même moment, tu vois, ils arrivent aussi au même moment. Donc ça peut sembler RNG, mais... Le seul truc qui est RNG, c'est les mobs qui tombent en vrai. Putain, je suis en train de parler, je fais des sauts de dingue depuis tout à l'heure. Putain, il a tout niqué, il n'y a plus rien. Oh, j'ai failli me faire toucher. Ah, est-ce que. Ah, non, ça. Alors, c'était le même endroit que tout à l'heure où il a failli passer entre, ce coup-ci, il n'est pas passé entre. Il a snipé le truc et comme par hasard, ça a été le seul truc qui pouvait me tuer. Putain, c'est la seule erreur que je fais et c'est le seul truc qui peut me tuer, c'est dommage. C'est pas de chance. J'adore ce niveau, putain, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Oh là. C'était pas une rouge. Encore une fois, ça a voulu me sniper, hein.
Champignons, dommage. Ah, oh, ta race. Et je me fous dans la merde. Ce champignon qui me fout dans la mélasse, jusqu'au bout du cou. Il m'a enfoncé dans la mélasse. Tout ça pour un truc qui me tombe sur la tête juste après. Ah ouais, bien joué. En fait, je m'étais perdu, là. J'ai mal au doigt. C'est dingue, ça. Mais c'est dingue! Nope. Ok. Oh là là. Ok, petite esquive. Tac. Ça on connaît. C'est easy. Oh, champignons. Gaspillage de champignons. Gros gaspillage de champignons, là. Gros gaspillage, hein. Pas un petit gaspillage, hein. Un très très gros, là. Ouais, mais là. J'aurais pu. Si j'étais retombé sur mon bloc, j'aurais pu jouer. J'ai fait le con. Et si j'avais gardé mon putain de champi au lieu de le perdre comme un con. Ah! Là, c'est un manque de skill accablant, là. Ouh, c'est passé, ça. Oups. Ok. Avance, le bloc, là. Putain, je voulais descendre. Oh ouais, le champignon. Gratuit. Sans aucun effort. Pfff, c'était chaud. Oh là là. Ce leap of faith. Incroyable. Putain, mais please, quoi. Mais ça m'énerve. J'ai fait le con encore. Enfin, j'ai fait le con. Là, le niveau, il a été méchant avec moi quand même. Il a pas été sympa, hein. Je vais rester tout le temps en haut. Quand je suis tout le temps en haut, c'est plutôt safe. Oh là. What? Ça ne touche pas, ça. Oh, c'est bien joué, dommage pour le champi. Il y a beaucoup de champis qui tombent, c'est dingue. C'était une pièce. Là, il n'y a pas de place. Là, il n'y a pas de place. Là, c'était chaud. Là, honnêtement, c'était vraiment chaud. En termes de place, c'était compliqué. On a vu le bout de l'arrivée. On est content. C'était un bon try, alors. Quand on voit l'arrivée, c'est un bon try. Ça, ça peut être un mauvais try, ça, à l'instant. Le bout n'est pas la victoire, exactement. Et finalement, on est de plus en plus bon, hein. On est de meilleur en meilleur, enfin je sais pas comment on dit. On est meilleur. De try en try, on est meilleur. Il y a tellement de champis que je rate. Oups. Mauvaise idée, ça vite remontons. Merci pour la pièce, c'est sympa. Pff, putain, ça veut ma mort depuis tout à l'heure. Wouah, je dois faire des trucs de ouf depuis tout à l'heure. On a une shell. C'est un peu loin du coup.
Oh, on s'en sort quand même. Oh là 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 là! Allez, je suis obligé, il n'y a plus rien. Là, je suis obligé de mourir. Là, je peux pas m'en sortir, c'est impossible. Impossible. Là, c'est totalement impossible. It's impossible! Là, dans la config, c'était impossible. Sauf si j'avais un champi. Si j'avais un champi, j'aurais pu. J'aurais plus damage. J'ai pas envie de mettre 6 heures, moi. J'en suis amplement capable de pas les mettre. De mettre beaucoup moins. N'empêche, le travail que j'ai fait tout à l'heure quand t'étais pas là, si j'ai vraiment les boules, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Ok. C'est trop, putain de merde. Ouais, c'est l'orgie. Fuck. Je le savais! J'aurais dû aller dessus quand même. J'aurais dû prendre le risque que ce soit un pic. J'aurais dû prendre le risque. Ça aurait pu être un champignon quand même. Ça aurait pu être bien aussi. Ça aurait pu être sympa. Hein. Le jeu aurait pu être sympa avec moi. Mais non, bien entendu, c'est toujours sympa quand il est méchant, tu vois. Toujours mieux. Quel con ce jeu. Oh mais Taras, je suis le con là, j'étais pas mal là, je me suis précipité là. Je me suis précipité, c'est la mort. Pas de précipitation. Il faut pas que je me précipite. Il faut que je reste zen, frais, serein. Tel un ninja. Il faut avoir des réflexes de ninja sur ce niveau. Oh, c'est la... J'ai cru que c'était la chute. J'ai vraiment cru que c'était la chute. Tout à l'heure c'est passé, mais tout à l'heure j'étais plus en avance. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Oups. Télé-lé. Poète, 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 poète. Putain, ça à chaque fois je crois que c'est la chute, alors que ça passe. Donc là c'est une bonne idée, tu vois, de focus comme ça, le contact en haut. On attend qu'il tire et on passe par-dessus à chaque fois. Bon, peut-être attendre un peu plus longtemps. Bon, je vais pas attendre indéfiniment de toute façon. Faut que j'arrête le live dans pas trop longtemps. On va y arriver! Voilà, il tire, on y va. Il tire, on y va. Il tire, on y va. Putain. Non, là j'essaie de trop jouer avec le mec du dessus là. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que je fasse comme tout à l'heure, c'était pas mal. Sans forcément me focus sur le mec en haut. Que je le fasse au son presque en fait. Oh cette chatte. Oh y'a que des champis. On a un champi, c'est pas mal.
Ouais, j'ai fait le con! Mon champi, rends-le-moi! Là, il me le rend en plus, ce con. Oh putain, j'ai oublié lui qui tombe après. Pff, allez, on fait un dernier bon try et puis on stop, je pense. Un petit dernier bon try. On peut le faire. Wouah! Je crois que ça y est, la saturation est là sur le niveau. Il faut que je me concentre, il faut que j'arrête d'être focus comme je suis depuis tout à l'heure sur en haut à droite. Il faut que je prenne le focus ailleurs. Sur ma réaction. Voilà. Ça c'est pas mal, ça y est, j'arrive à me concentrer comme je faisais tout à l'heure. Sur mon petit. Dommage pour le champignon, je pensais qu'il passerait par-dessus. C'est bon, je récupère ma concentration. Voilà. Nice. Passe au-dessus. On pense à tout regarder. Voilà. Ça, c'est embêtant, ça. C'est embêtant parce que je suis obligé juste de passer en bas et c'est mort en bas. Ah! J'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Merde. Mais monte. Todd, fais un effort. Todd, tu peux le faire. Ok. Je suis honnêtement très dégoûté pour le champignon. Que j'ai raté d'un poil de cul. J'aurais dû attendre, c'était win. Si j'attendais, c'était win. J'aurais dû attendre sur mon bloc en bas à gauche. Quand le scrolling s'arrête, j'attends sur le bloc. J'attends sur le bloc. Du coup, je peux pas arrêter maintenant. Il faut que je refasse un bon try. Oh, j'ai la haine. Ah, oh, j'étais si près du but. Donne-moi ça. En plus, j'ai eu de la chatte. On m'a donné un champi gratuit. J'étais grand en plus. Et ça me servait à rien. Je n'avais même pas eu besoin de la grandeur. Ah, je suis déçu. Oh, quelle tristesse. On peut pas s'arrêter là-dessus. Il m'a offert un bon try là. Surtout que j'ai compris, il faut que j'attende quand j'arrive là-bas. Il faut que j'attende. En plus, ça c'était safe, j'avais juste à attendre, c'était fini. Quelle tristesse. Ouf. Ah ouais, mais là, je suis obligé. I did it! Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Salut, BS Max. Comment vas-tu, l'ami?
Tu arrives à la fin! J'ai enfin fait ce niveau! À 100 mètres, 6 heures à le faire, j'ai mis une petite heure. Ah, il faut clipper là. T'arrives sur un GG, ouais. T'arrives sur un GG du fameux niveau. Ce fameux niveau de mort là. Tu sais, celui-ci là. En plus, juste après, j'ai fait deux bons tries d'affilée, c'est assez incroyable. Je crois que je suis un vrai PGM de ce niveau maintenant. On va pas se mentir, je suis en train de le recommencer alors que je suis tellement content de l'avoir réussi, je l'adore ce niveau. C'est un truc de dingue. C'est tellement un bon niveau. Il traîne tellement les réflexes. Ah, j'ai géré, par contre, je suis plutôt fier. Merde. Ouais, c'est. Bon, voilà, on l'a fini, on est content, hein. Il faut clipper ce truc-là, merde. Va falloir que je le clippe, hein. On voit pas les trails que nous on a fait sur les niveaux, c'est dommage. Ah, Kylanos l'a fait aussi, ça y est. Kylanos y a réussi. Raka il l'a fait. On voit pas la fée. Ah non, ceux qui l'ont fait, c'est ceux qui ont le drapeau. Ah ouais, je suis pas. On n'est pas beaucoup de connards à l'avoir fait en fait, hein. D'avoir réussi. Croody a mis 6 heures à le réussir, hein. Bien entendu. Gamers l'a fait, c'est vrai. Il a chaté un peu, je crois, sur un champignon à la fin. Eh, on n'est pas nombreux, hein. Parfait, ça. T'arrives aussi à la fin du live, Besmax. Parce que c'est la fin! Et je pars sur une réussite et je suis plutôt content parce que je m'étais dit que je le ferais aujourd'hui, celui-ci, sans trop forcer non plus. Et je suis pas trop forcé, ça passe. C'est bien. Je suis content. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire des bisous et on va se dire à demain. Hein? On fait comme ça? Je vous remercie d'avoir suivi le live. Je te remercie d'être passé du coup, Besmax, même si c'est pour la fin. Désolé que t'arrives à la fin. Merci à tous les autres qui sont encore là. Ju, notamment. Il y a Chris peut-être encore. Je sais pas si c'est pareil. Chris, il a dû partir. Chris, il est parti. Il a pas vu la réussite, ce con. Tu pourrais dire t'y étais, ouais. C'est ça. Tu pourrais le dire. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain midi du coup. À demain midi, des bisous à vous et bon après-midi.